Bonsoir, bienvenue sur un décembre podcast. On est mardi 9 janvier, j'allais dire décembre. Force d'être resté au mois de décembre dans les fêtes, les ripailles et compagnie, ben voilà, on y est encore. Donc non, bien 9 janvier, 21h et quelques. Donc non, on ne rembourse pas puisque de toute façon c'est gratuit. Voilà, petit hommage à Freux qui est toujours en galère d'aménagement, puisqu'il a aménagé, on a vu les photos paraître aujourd'hui. Donc Freux, Geek Powa, hein, voilà, hein, on te fait un petit bisou. Donc ben, bienvenue ici, bon, ça va être notre petit hebdo, on va reprendre nos petites habitudes, hein. On est comme ça nous, hein, avec les charentaises sous le bureau, vous ne les voyez pas. C'est normal, j'en ai pas. Mais voilà, en tout cas, on est à l'aise, on est bien, on est cool. Et ben, bien sûr, je vais pas être tout seul à déblatérer devant l'écran. Et je vais venir tout de suite mes compères. Donc voici le voilà. Hello. Hello! Salut Antoine. Et salut Manu. Salut! On est tous là! C'est incroyable! C'est Ouais, cool! c'est waouh. C'est vrai que ouais, la semaine dernière, on avait fait notre petit bilan coup de cœur qui a fini en coup de gueule, puis coup de cœur. C'était pas mal. Oui, oh, oui, tout à fait. Bah déjà, bah encore une fois, merci Chamaël, voilà, qui commence encore une fois Ah super fort. oh Merci là là, mais c'est pour les fou 10 ça. subs, merci beaucoup. Voilà. Oh. Merci. Okay. Bah, ça c'est fait. Ah oui, Merci oh là bah, Chamel. waouh. Merci Voilà. beaucoup. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, Waouh. d'un coup, ça calme. Non, mais Bah, du coup, bonjour à voilà. tous, tu voulais dire. Voilà, Des... ceux oui, qui sont peut-être, sur le oui. chat, voilà. Bah oui. Voilà tout ça. Voilà, bonjour à vous sur le chat. Bonjour à vous, ceux qui nous regardaient Coucou. et qui ne parlaient pas, et à ceux qui nous regarderont en replay. Demain sur Pour YouTube, ceux. tout à fait. Voilà. Et ceux qui ne nous regardent pas, ben, on vous salue quand même. Hein, voilà. On est Ouais, civilisés chez un dessin podcast. et comme je sais que tu vas nous regarder en replay, spécial dédicace pour toi, Gilles. Voilà. Donc, Voilà. ben, bonsoir Pretty Lid, bonsoir Sloppy, bonsoir Olive, bonsoir Aristef, bonsoir Gibrorn, bonsoir Tomoun, coucou, Akibi, Loïc, Atsukoi, et puis Chamaël, forcément, Bah hein, oui, voilà. bah oui. Hein, donc, t'as pas le petit Alléluia pour Chamaël, tiens, d'ailleurs. Attends, je sais plus où il est sur la soundboard, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ok. Je crois que c'est. Attends, je vérifie, hein, que... C'est pas ça. Non, c'était pas celui-là. C'est bon, Voilà. voilà. Oui, ça c'est pour toi, Bah écoute, qu'est-ce que aujourd'hui on se fait quoi? L'entrée, plat dessert, comme d'hab, on reprend les bonnes habitudes, hein? Oh, puis il va être chargé, hein. Oh, ça va être. Ouais, oh Bonne ouais. formule là, on va être bien repu après. Oh là, On est vu déjà tout en ce pleine que. digestion. Oh, rien que là, déjà, hein, vu tout ce qu'on a plein de trucs qu'on va montrer, et rien que là, waouh, on dirait un repas de Noël double gratinage. C'est Ah oui, ça. non, là, c'est n'importe quoi. Bah, C'est pareil, vous, n'importe hein, ça quoi. va durer longtemps là. Il ouais, y a 30 minutes de service presse, craquage et compagnie, puisque voilà, c'est la fameuse rubrique voilà, je mets la petite bannière, il faut que j'y pense quand même. Derniers achats et service presse. Donc, on ne l'avait pas fait la semaine dernière, forcément, un petit bilan. Donc, bah, c'est là qu'on va vous demander sur quoi vous avez, Papa Noël, ce qui vous a amené, ce que vous avez craqué. Il n'y avait pas trop de financement, donc c'était l'occasion d'aller un petit peu en boutique, puis de faire les occasions aussi, hein, de voir un petit peu des packs complets à vil prix, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et nous, les services presse, par contre, de notre côté, Alors, on se prépare parce qu'il va y en avoir quelques-uns. C'est ça a été tombé, n'importe, ça a été n'importe quoi. Donc déjà, je vais commencer avec, et toujours comme ça, je les évacue. Alors, Black Book Edition, Tony, on vous remercie. Bonne année, tout ça, tout ça. Donc, vous aviez proposé, on vous avait dit merde, voilà, que l'ascension des Drozes, c'était bien cool. Donc, ça, c'est Manu qui s'en occupera. Hein. Enfin, on avait juste fait la petite photo et tout et tout. Un beau bébé, hein, voilà, qui fait, je crois, plus de 500 pages, hein, je crois, c'est ça, de mémoire. Ouais, 540 pages, bah, 2 kilos le bordel, quoi. Donc, voilà, ça, c'est pour Manu, tu vas bien t'amuser, je le sens. Oui, Bon, on va quand même donner le du sport prix avec. parce que ça pique, hein. Pour ceux qui voudraient l'acheter. Donc voilà, il y aura une critique en bonne et due forme. 99 euros la bestiole, hein, quand Oui. même. Hein. Voilà. Oui? Bah oui. Ça fait bobo. Donc voilà. Et moi, j'avais demandé que ça. Pour nous. Quand je dis que ça, c'est pour l'équipe, quoi. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec le Quintal. Donc, on Alors se là, retrouve ouais. avec du Pathfinder. Donc, je sais, vous chercherez sur la chaîne, hein, des critiques de Pathfinder, vous n'en trouverez pas, c'est normal. Voilà. Bon, moi, j'y joue pas du tout. Pas que le jeu soit mauvais, Bah, hein, non, on mais va être c'est vrai que clair. Hein. j'ai le livre de base de la V1 et quelques suppléments et quelques campagnes, mais la V2, je ne me suis jamais porté Ouais. intéressé. Je D'autant t'entends parce que pas, Antoine. le livre de, ah, parce que le livre de base, il fait Je t'entends peur. pas. Mais ceci dit, je vous ferai une critique, moi, du caveau quand même.
Ouais. Ça marche. Ah. Et toi, Manu, tu m'entends, c'est bon ? Ouais, je t'entends. Non. Moi, je t'entends. Je vous entends. Bon. Ah. Il ne t'entend pas. On n'entend pas qui ? Moi ? Ah, c'est moi. Reprenez, reprenez. Tout de suite. Ok, ok. D'accord. Les problèmes techniques, ça, on adore. Allez, c'est parti, ben ouais, on continue. Ça arrive. Ah, ok, carrément, il s'en va, il boude. Ouais, allez, c'est parti. Ouais. Bon, allez, je vais continuer de mon côté, parce que bon, on montrera, parce que je crois qu'on n'a pas tout montré chez BBE. Ah bah, il revient, il est revenu, regardez, oui, c'est incroyable. Bon. C'est incroyable. C'était juste le câble, en fait, du casque qui ne marchait plus, donc je ne vous en ai plus, en fait, la loose. Voilà. Donc, je disais que j'allais quand même faire, moi, une critique du caveau des abominations. Voilà, le caveau des abominations, merci. Donc, c'est l'intégrale. Voilà. Donc, le secret de la magie, bah, écoute, on verra, justement, si... Si quelqu'un est intéressé, on pourra toujours l'offrir, ou un club, ou voilà, ce genre de choses. Donc ça ne pose pas de soucis là-dessus, hein, on a le droit, tant qu'on ne les revend pas, ça va. Ensuite, je vais essayer de ne pas me débrancher. Ensuite, parce qu'il y avait du ensuite. Tu fais de la gymnastique, là. Ouais, on n'avait rien demandé, comme je vous le disais, et on se retrouve avec les légendaires, adaptés donc, de la bande dessinée pour les plus jeunes, hein, on va dire les 10-14 ans, quoi, dans ces eaux-là, hein, au niveau de l'âge. Un petit peu moins, peut-être, pour ceux qui lisent déjà. Donc, Super Univers, moi, je les ai déjà vus en boutique de BD, ça cartonne auprès des plus jeunes, les parents, ils en achètent des quintales, donc ça, c'est super marrant. Donc, il y a le bouquin de base, c'est basé sur Chroniques Oubliées Mini. C'est la version super light de Chroniques Oubliées. Oui. Qui était assez sympa, d'ailleurs, avec les looks chibi et tout, donc avec l'écran qui va bien, etc. En fait, voilà, ça vous donne un petit peu. Il y a un look très chevalier du Zodiac Chibi, hein. Quand même. Oui, c'est vrai. Ça se ressent vraiment sur certains personnages, carrément. Ouais, t'as la dot qui, ça fait un petit peu du Dofus, ce genre de truc, etc. Donc c'est, voilà, c'est très bien pour les plus jeunes. Donc, on va se garder sous le coude parce qu'on sera sûrement une petite émission papotage enfant, les plus jeunes. Oui. Donc, ce sera la bonne occasion. Donc voilà pour Black Book. Autant vous dire que quand le carton est arrivé, ça devait faire dans les 5-6 kilos facile, hein. Quand même. J'ai pas fini avec les services presse. Hein. Ah non, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, puis c'est, après, quand moi j'ai fini, c'est vous qui allez prendre le relais. Donc il y a Free League Publishing. Comme vous l'avez dit, on est super heureux de pouvoir avoir des services presse physiques de leur part. C'est quand même. Aux anges. Et donc, du coup, je vais continuer la gamme 5e édition de Lord of the Rings. Je vous avais déjà chroniqué le bouquin de base, Sérieur Adventure, l'écran. Et là, donc, c'est les ruines et la campagne de l'Ariador. Donc, ça fait un. Mais moi, j'aime bien les couvertures. Franchement, je trouve. Je les trouve plus réussies que pour l'anneau unique. Oui, c'est ce que j'allais te dire, en fait. Bah, clairement. Elles sont harmonisées, contrairement à l'anneau unique, où ça change un petit peu à chaque supplément, c'est dommage. Exactement. Alors, j'ai commencé à lire, parce qu'on va être clair, je vous ferai la chronique des deux en VO, plus la VF des ruines du Royaume perdu. Comme ça, on fera un 3 en 1. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et sachant que Ruins of Arador et Tales from... The Lost Kingdom, là, c'est les mêmes. Hein. Et c'est toujours aussi bien écrit. Il y a des choses qui, moi, en tant que Tolkieniste, m'ont fait dresser le poil direct et j'ai failli jeter le bouquin par la fenêtre, hein, tellement, voilà. Hein, parce que JRTM Tarbad, c'est rigolo, mais Tarbad version JRTM dans l'anneau unique, non. Ben non. C'est non. C'est un non. Voilà. Donc bon, on en rediscutera. Donc voilà pour les deux bouquins de Free League en VO. Donc ça, c'est des services presse. Service presse roman. Donc c'est aux Forges de Vulcain. On avait reçu David Mulmans, hein, qui avait demandé si on était intéressé. Quand on dit nous, hein, c'est blogueurs, blogueuses, youtubeurs, etc. Pour chroniquer deux bouquins qui étaient parus en 2023 et qui a envie de donner notre chance pour qu'on en parle un petit peu après. Donc on a Le Dernier Jour du Tourbillon de Rodolphe Casso. Donc vous devinez que ça se situe bien évidemment dans le monde de la viticulture. Et Ikelo de Benoît-Marie Lecoin. Alors c'est toujours un petit peu aux franges, il y a toujours des éléments un peu aux franges du fantastique dans des récits de littérature dite générale, hein, ou blanche, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, pareil, bah ça on va le lire. C'est moins de 200 pages, hein, donc on lira ça gentiment. Et puis on fera passer, je ferai passer aux collègues. Et quand on demande des services presse aux Forges de Vulcain, c'était déjà le cas. Il n'envoie pas des bouquins, il envoie des bons à tirer.
Ce qui, moi, me convient très bien, puisque c'est le plaisir de lecture d'abord et avant tout, avant d'avoir le bouquin. Donc, on a le dernier, Gilberto Villarroel, Sonacero, qui est un roman de vampire et qui a l'air complètement déjanté. Et c'est la plume de Villarroel, en plus, donc Gilberto. Donc, ça va être que du bonheur. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir pour faire des SP sous forme e-pub, ce qui est parfait. Ce qui est parfait, parce que des fois, c'est ce que je dis à certains éditeurs, hein, l'e-pub nous convient très bien, parce qu'on lit, c'est ce qui compte, tout le reste. Voilà. Donc, Sonacello, super cool. Et ça, c'est les services presse. Dans les achats personnels, j'en ai quand même deux, hein, parce qu'il faut quand même pas... Il y a quand même une réception de Pledge. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Oh, c'est tout beau, ça. Brindlewood Bay, la nouvelle édition, hein, donc de Jason Cordova, The Gauntlet. Alors, je n'ai pledgé que le hardcover du bouquin de base, son petit signé, parce que Nephew in Peril, qui est un recueil de scénars, mini-campagne et autres, c'était le même prix, c'est-à-dire $35. Et avec les frais de port, parce qu'en fait, tu ne pouvais pas switcher de pledge, tu étais obligé de rajouter un add-on. Oui. Donc les frais de port se cumulent. Donc si je prenais Nephew in Peril, plus les petits goodies qui allaient bien, qui étaient magnifiques dans une petite boîte, j'arrivais avec les frais de port à 115 balles. Ou 120, je sais plus. Donc j'ai fait, tant pis, je garderai le PDF. Voilà. Donc j'achèterai le hardcover de l'autre quand il sortira en France. Mais c'est de la bien belle ouvrage. Celui-là, il sera chroniqué, bien évidemment, parce que c'est de la bombe. Et on rappelle que Gulix a traduit la première version en PDF. Voilà. Et puis un petit achat perso parce que il fallait bien se faire un peu plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup la série des beaux livres au format carré chez les Moutons Électriques. Ils en ont sorti un sur Mars, fin d'année dernière, par Fabrice Carré. Donc si vous voulez tout savoir sur la planète Mars, en science-fiction, en fantasy, en littérature, en cinéma, enfin tout, c'est passionnant. J'ai commencé à lire, c'est vraiment génial. Donc ça pourra toujours nous servir pour faire une petite émission genre Mars et le jeu de rôle, par exemple. À tout hasard. Par exemple. Donc voilà, salut Alnomtis. Voilà. Et puis petit cadeau perso aussi, parce que j'aime bien, vous savez qu'on aime bien lire ici, et qu'on avait reçu Julien Pirou, donc oui. L'hommage à Leiji Matsumoto, quoi. Hein, il est excellent. Voilà. Il est magnifique en plus. Ouais. Ah ouais. Je l'ai lu et vraiment c'est un vrai plaisir. Bon, Julien est un des spécialistes français, si ce n'est le spécialiste français de Leiji Matsumoto. Ah oui, complet, ouais. Donc, c'est un super bouquin, c'est une super réussite. Ouais. Ouais, non, c'est que du bonheur. Donc, voilà pour moi, sachant que je vous l'ai déjà montré, je le remets à nouveau, comme ça j'en termine. En service presse qu'on a reçu, il y avait ce gros et beau bébé, Enquête de JRPG, L'aventure d'un genre, chez Third Edition, par Jordan Mauger. Je vous le montre à nouveau rapidement, parce que c'était un essai sur... de philosophie et jeux vidéo, et une tentative de définition de ce qu'est un JRPG, Japanese RPG, et on reçoit l'auteur, donc Jordan, dimanche à 17h. Voilà, donc c'est pour ça que je le remontrerai à nouveau, parce que du bonheur, on va parler de tous ces jeux qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune, et qui continuent encore un petit peu, malgré mon âge vénérable. Voilà pour moi, et après ce sera dans les idées cadeaux à la fin de l'émission, donc voilà. C'est pas mal déjà. Hein. Service presse. Ah mais c'était. Ouais, disons que les périodes de fin d'année, là, début d'année ont été. C'est bien. Hein. On est servi. Sachant qu'on va recevoir aussi Fabula Ultima en service presse. Voilà. Ça vous savez tout. Emmanuel. Allez, c'est parti. J'étais un petit peu plus. C'est que des achats perso, donc il y a un peu moins. Pour Hunter, Lines Drawn in Blood, qui est donc un recueil de scénarios, de 4 scénarios pour Hunter The Reckoning, chez Renegade Game Studio. Hein. Donc, écoutez, j'en ai lu 2 sur les 4 pour l'instant, et c'est du bon boulot. Alors, c'est pas des scénarios exceptionnels qui réécriront l'histoire du scénario de jeu de rôle, mais c'est sérieusement bien fait, tout à fait jouable, avec plein de conseils, et puis des histoires qui sont plutôt originales. Pour l'instant, une très très bonne lecture. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, là aussi, je vais me casser un bras. Comme... voilà. La version collector de Doctors and Daleks, donc qui contient donc
quatre éléments, l'écran, le Player's Guide, le Alien Archive avec plein d'extraterrestres et une campagne en quatre épisodes, je crois, ou cinq, je ne sais plus, qui s'appelle Keys of Scaravor. J'ai commencé à lire le Player's Guide. Alors, c'est du DD5, hein, bien entendu. C'est basé sur le SRD du DD5. Donc, ça peut faire bizarre de se dire, tiens, du Doctor Who en DD5. C'est quand même... quelle drôle d'idée qu'il y a eu cette idée. En fait, j'ai l'impression que ça marche vraiment pas mal. Donc, mais bon, on en parlera sans doute bien plus. Oui, en reparlera. Ah, c'est vrai que après voilà, c'est Cubicle 7 qui travaille dessus, c'est pas voilà. ils savent adapter. En tout cas, ben voilà, cette édition, elle peut vous servir de, si vous n'aimez pas le jeu, que vous l'avez acheté par erreur, ben vous pouvez vous en servir pour faire la fondation d'un mur ou quelque chose. Parce que c'est ah oui, du très lourd. Elle a une grosse armoire. Voilà. Ah oui. Mais c'est tout pour moi. Et pour toi ? Et ça oui, marche. J'ai été très sage. Bah, bah... Tu vas avoir l'ascension des drôles, hein, tu verras un beau ah oui. Ah oui. Alors, réception, alors service presse, hein, que je me retrouve dans tout ça, parce que là, il y a des trucs de partout sous ce bureau, c'est n'importe quoi, hein, vous le voyez pas, mais c'est chargé. On a parlé de nos amis de Free League, voilà, ils nous ont envoyé Building Better World pour Alien, dont je parle la semaine prochaine, et sans trop de surprise, c'est très bon, et j'ai bien aimé, hein, mais plus de détails la semaine prochaine, voilà, parce que oh, ce teasing. Ben, on a parlé, ils veulent pas qu'on en parle avant, donc on n'en parlera pas avant. C'est quoi la sortie officielle ? Le 16. Ouais. Donc, littéralement, la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, j'ai le droit. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à le trouver pour l'instant en boutique. C'est ça. Donc, voilà. Et il y a eu des services de Cubicle 7, hein, dont on vient de parler. Et alors, attention, parce qu'on n'a jamais assez de Doctor Who dans une collection. Voilà. Ok. C'est ça, c'est le poids d'une étoile à neutrons, basiquement. Et oui, ça, il faudrait qu'on en parle, Emmanuel, parce que... Ah bah oui, avec plaisir. C'est pas ma version favorite, mais il y a de très, très bonnes idées dedans. Et je suis à la fois content et un petit peu dégoûté de voir que, Secret of Scaravor, hein, le recueil scénario campagne qui est avec, il est sorti pour Dr. Zendalek, mais pas encore... pour Doctor Who classique. D'accord, c'est prévu. Donc, t'as pris quoi avant ? Ils ont du retard. Voilà. Alors, c'est pas grave. Voilà. Mais bon, c'est pour le principe de... Je me dis, tiens, j'ai reçu la version D&D, basiquement, hein, littéralement, Dr. Zendalek, avant. Voilà. Il y a Tsukoi qui nous demande si c'est un stream de musculation. Ah, mais oui. Alors, mais vous savez ce que c'est la nouvelle année. Voilà, c'est comment on appelle ça, les bonnes résolutions. On va tous se mettre au sport. Donc, et ils n'ont pas envoyé que ça, hein, parce qu'ils se sont dit, ils aiment les univers chatoyants, du coup, on envoie également Imperium Maledictum. Donc, le nouveau Warhammer 40 000, on va dire le fils spirituel de Feu d'Archérésie, pour ceux qui connaissent. Ça, il faudra vraiment que tu m'en parles, parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, on avait eu Wrath and Glory, qui était une version très énervée. Hein, voilà, vive l'action, basiquement, comment on appelle ça dans le milieu, du Bolt Porn. Bolger, porn, voilà. Voilà. Mais bon, bah là, on est sur une version plus gritty, plus... on revient sur un système décent. Voilà, donc une version pas buggée, hein, ça nous change, de version FFG. Et puis avec, il y avait l'écran que je n'ai pas encore déblisté, j'en ferai une vidéo prochainement. Mais là aussi, c'est des pavasses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Waouh. Oui, non, mais ils veulent qu'on se mette à la muscu, hein. Il n'y a pas, photo. Hein. Donc là, ça, c'était très, très gentil à eux. Et puis après, oui, bon, en réception pledge perso, il y en a eu quelques-uns. Alors oui, Kamisha, dont je parle tout à l'heure, hein, que j'ai reçu il y a quelques jours. Voilà. J'avais reçu quoi ? Ah, ça ! J'ai fait Edition, voilà, sur Warhammer 40 000, et je vous ai dit que j'aimais bien cet univers. Pas du tout. C'est très étonnant, d'ailleurs. Oui, non, mais oui, voilà. Donc, Sculpter la guerre, donc basé, voilà, pour qu'ils vont nous expliquer un petit peu comment trois loustiques dans un garage ont créé l'une des plus grosses corpos ludiques du monde. Voilà. Donc, en plus, ça aurait pu être sympa. En plus, c'est sympa. Mais bon, en plus, au milieu de ma lecture, j'apprends que l'un des trois fondateurs de la boîte est mort, est décédé la semaine dernière. Super. Ouais. Je vous mets ce moral en berne, tout va bien. Et un dernier que je vais vous montrer là, parce que, ce petit colis que j'ai récupéré juste hier, il y a un jeu qui s'appelle Space Horror Stories. Eh oui. Et du coup, bah, je vais en profiter pour vous le montrer là maintenant, là de suite. Oh, c'est beau. Ah, vous avez vu ça ? Allez. Unboxing en direct. Mais c'est littéralement direct, comme vous pouvez le voir. J'ai juste ouvert pour vérifier que c'était bien ça, hein, parce que j'attendais un million de colis
Donc j'ai pu voir que c'était ça. Donc maintenant, on va enlever le scotch avec une certaine délicatesse. On va même faire de l'ASMR. Ah oui. Unboxing, vous avez vu ça? Incroyable. Ah non, mais je sais, hein, je pense qu'on pourrait faire des trucs de fou. Hein. Donc, ah ouais. Alors déjà, par contre, ouais, c'est déjà bien emballé, ça fait plaisir, parce que j'ai reçu pas mal de pledges ces derniers jours, et niveau emballage, il y en a beaucoup qui étaient emballés, on va dire, au schnapps. Oui, vraiment. Fait péter une ou deux bulles, nous dit Sloppy. Attention. Mais je sais... Ouais, mais... Oh. Ah, quel bonheur. Oui, bon, bref, ça va arriver. Hein, voilà. Mais bon, elles sont petites, les bulles. Allez, on va juste, je vous le montre, on va déblister un petit peu la bête, hein, voilà. Donc, la petite boîte. Donc, petit format, hein, c'est déjà, donc ça c'est pratique, ça veut dire que ça rentre facilement dans une bibliothèque. Et ça se transporte. Hein, ça se transporte. Docteur Zendalek, je pense à toi. Que voilà, j'adore, hein, c'est pas le même style. Mais bon, il y en a un qui est facile à ranger, et l'autre, franchement, je pleure déjà. Donc, je découvre en même temps que vous, hein. Parce que j'ai voulu me garder la surprise, hein, aussi. Je n'ai pas regardé le Discord, je n'ai pas regardé sur le net. Voilà, j'aime bien découvrir. Voilà. Donc, le petit livret de jeu, hein, voilà. Ok, bon, bah après, bon, j'avais quand même regardé les PDF, hein, parce que j'avais souscrit. Donc, bon, je ne suis pas trop surpris, ça fait plaisir. De toute façon, celui-là, je vais vous en parler très prochainement aussi. Hein. T'inquiète pas. Souvenir d'une bonne partie. Ouais, ça s'est presque bien passé. Livret réalisateur. Un livret technologie ici, on est déjà à 3 livrets, ça fait plaisir. Il y a du matos, alors là, c'est généreux. Hein. Donc, le petit paquet de cartes avec personnages, c'était ça, les profils, des noms de PNJ derrière, très bien. Les cartes de tension, super mécanique, super idée, hein, on en reparlera aussi. Ouais. Des cartes de tension en plus, parce que niveau tension, il y en a dans le jeu. Hein, voilà. Pas du tout. J'ai des dés, beaucoup de dés, c'est bien, parfait, lisible, j'aime bien. Regardez, il y a encore des choses dans la boîte. Parce que serait une boîte sans encore des trucs au fond de la boîte? Le petit écran. Oh, c'est beau, ça. Oh, ça va être utilisé partout, ça. Mmh. Ça. Ah, oui. Et ça, le bon goût de ne pas avoir le nom dessus. J'aime bien. Un point pour le monsieur. Mmh. Non, voilà. Hein, je vous ai dit que j'aimais pas quand il y avait le nom de... le nom du jeu dessus. si peu. Voilà. Donc, fiche de suivi de perso, c'est très bien. On a quoi d'autre? Tableau des blessures. Donc voilà, comment rappeler, comment massacrer les joueurs. Enfin, les massacrer. Non. Les mettre à mal. Voilà. Voilà, encore. Et puis, encore d'autres. C'était les aides de jeu, équipage, un vaisseau pirate. Voilà, bon bref. Oui, c'était les différents settings supplémentaires. Donc, voilà pour la boîte. Je suis assez content. Je vais décrypter ça un peu plus en détail dans les prochains jours. Et puis, on en fera une vidéo complète. Et là, j'en ai pour 8 jours à tout re-ranger. Voilà, Space Horror Stories. Ouais. C'est très bien. Et je crois que j'ai fait le tour de, eh bien, de tout ça. Hein. C'est pas... Ouah, reviens ici. Ah oui, t'es parti, il s'enfuit. Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai dû lui faire peur à la caméra. Donc voilà, voilà pour moi. Et je trouve que, franchement, là, on est... On commence bien l'année. On est bien. En ce début d'année, on est bien. Voilà. Ouais. Il faudrait juste qu'on arrive à jouer à tout ça maintenant. Oui. Oulala, une chose à la fois, hein, surtout qu'à côté, moi je me suis remis encore un peu plus à la figurine. J'ai peut-être craqué sur un aérographe pour peindre. Du coup, oh là là. Adieu Antoine, on t'aimait bien. C'est ça. Oh, ça va, la vie sociale, à quoi ça sert? Le sommeil, à quoi ça sert? Non, moi je vous raconterai début février parce que j'ai prévu donc, la partie de Walking Dead le 20 janvier. Parfait, ouais. Ça je veux un compte rendu complet dessus. Ouais, je vais faire jouer le scénar de la boîte, là, du coup. Donc, ça sera un peu l'occasion. Bah oui, on va pas les faire souffrir. Donc, du coup, j'en profite pour faire un coup à ceux qui sont arrivés. Donc, Upsight, Obsidian, et Plume Vagabonde, et Loup de Mortelune. Ouais, voilà, tous ceux qui sont arrivés au fur et à mesure. voilà, ça fait un paquet de bouquins, un paquet de jeux. Pff, ouais, c'est vrai que. Ah ouais, voilà, bah le bureau, il est surchargé. Là, franchement, c'est un château. Il y a des murailles, il y a des tours, des donjons, c'est des piles de bouquins. Ah, ça, sans compter les bouquins qu'on n'a pas encore chroniqués de l'an dernier. Mais ça arrive, ça approche, on a profité. Moi, j'ai profité des vacances pour poncer quasiment tout ce que j'avais en retard. Du coup, voilà, même si certains éditeurs nous regardent, ils doivent se dire, franchement, ils prennent leur temps, vous inquiétez pas. Ça arrive, vite. Voilà. Ça prend le temps qu'il faut. Oui, mais ce sera fait, ce sera bien fait.
Alors, j'essaie de voir un petit peu, du coup, pour, oui, salut, pour Arsène. Vous. Alors, salut, Arsène. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a eu, de votre côté? Alors, est-ce que des factures peuvent être considérées comme des services presse? J'en ai reçu aussi. Oui, mais ça, nous, on les a en démat. Donc, c'est sûr qu'on n'est plus amené dans la boîte aux lettres. Par contre, les mails, ça fait mal. J'ai reçu Within pour Chamaël. Très, très bon jeu. Très, très bon jeu, franchement. Ah, oui. Voilà, le suivi met beaucoup de temps, mais le jeu, le... Mmh. Génial. Franchement, dans un des, pour un Diceless, c'est un de mes favoris. Tac, tac, tac. Ensuite, je descends au fur et à mesure. Avec le stream musculation, ça, on est d'accord. Ouais, ouais, je regarde aussi. Un doctorant en 5e. Alors, Tomoun, Kamicha, le bouquin de Stalag, ouais. Ouais. C'est, comment il s'appelle, Stalag, oui, bah, Things from the Flood, donc oui, c'est l'artbook. Non, c'est le troisième jeu, là, non? C'est pas ça? Ah non, Things from the Flood. Ah oui, d'accord. Là, oui. Et de Stalagun, donc on parle là, je pense que tu parles de l'artbook, pas du jeu de rôle. Ok, ouais, parce voilà. Qu'il y a le jeu de rôle qui est en financement, c'est pour ça. Oui, et puis l'autre, c'est Electric State, qui est en cours de financement, ou qui est terminé, bon bref. Ouais. Et puis je vois que tu as craqué sur Fabula Ultima, mais on te l'avait dit, Tomoun, avec KFR et Manitou, que tu allais craquer sur ce jeu. T'es obligé. Voilà, on va reparler voilà. De façon de celui-là. Alors, tac, 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 j'essaie de voir. Soirée Lipton, non. Ah, bah salut Tétril. Tiens, voilà. Alors, j'en profite hein, de faire un coucou, parce que vous ne le connaissez pas encore. Donc, et je vais beaucoup en parler dimanche, hein, clairement. Tétril, c'est un YouTuber podcaster sur les Japanese RPG, justement. Ah. Je voulais un petit peu préparer l'émission de dimanche, pas trop avoir l'air d'un peintre, quoi, tu vois, hein, quand même. Donc... Voilà, donc je me suis dit, tiens, on va quand même regarder un peu ce qui se fait sur YouTube. Alors, je connaissais déjà Atomium, et je suis tombé sur la chaîne de Tétril, que je vous recommande plus que vivement, je me suis régalé. Du coup, je me suis abonné, et puis j'ai abonné à des podcasts aussi, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à, allez, hop. Et c'est vraiment passionnant, voilà, si vous aimez les JRPG comme moi, c'est que du bonheur de le suivre. Il parle vachement bien, le monsieur, je suis jaloux de sa voix. Voilà, c'est vrai tout. On dirait Frédéric Marin, tu vois, d'Argiropé quand il parle, pareil. T'es là, ah, okay. tu l'écoutes et là tu fais ah oui ah, d'accord. Donc ouais, bah écoute, voilà, coucou Tétril. Continue le bon boulot, franchement c'est de la bombe. Voilà, j'en profite, hein, les compliments, tapis rouge, tout ça. Donc Space Horror Stories, donc Plume, tu vas le recevoir aussi, je pense. Oh, que oui. Tu vas pas le regretter. Moi j'ai prévu de l'acheter au Fige, voilà. Voilà, il sera acheté. C'est une boîte sans fond. Bah non, tu vois, il y a effectivement, comme dit Upside et Plume, il y a beaucoup, beaucoup de matos dans cette boîte, effectivement. Ah oui. Upside qui dit reçu légendaire aussi. Oh, voilà. Ouais. Il y a ça, oui. Donc. Ça dépend. Les noms ne me dérangent pas trop, mais il faut pas que ce soit le machin comac au milieu, quoi. Genre vampire. Voilà. Shadowrun. Les vieux Shadowrun bien moches avec le... Oui, les vieux, oui, ce que je veux dire, parce que les récents, non. Non, il n'y a plus, mais... Ça, bien. Ou les Free League, avec un gros titre avec la couleur qui ne correspond pas à l'illustration. Ah, ça fait tâche. Sur l'anneau unique, il est tout petit dans le coin, donc ça va. Mais c'est vraiment anglo-saxon. Hein. Enfin, Oui. Bon. Anglais-américain. Est-ce que ce n'est pas une demande des ayants droit, typiquement chez Free League, sur des trucs à licence? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation? Non, vous êtes gentil, mais vous mettez le nom de mon film en plein milieu de l'écran, sinon... Non, parce qu'ils le font aussi sur Weizen, sur Dragonbane, etc. Donc, Weizen était au milieu, c'est dommage que l'illustration était vraiment sympa. Ouais, tu vois, c'est sympa. Et c'est leur licence, quoi. Donc non, ouais. c'est culturel. Vraiment, ouais, c'est clairement anglo-saxon, t'as le nom sur l'écran. Quel que soit le jeu, tu verras. Sauf Orbital Blues. Mais Orbital Blues, c'est... Comment dire, c'est pas... C'était un écran, ça. C'était une feuille de chou, monsieur. Ah. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, comme disait Upside, hein, voilà, qui a dit reçu les légendaires, sympa, ouais. Le fils va être content. Oui, voilà. Oui, c'est franchement, c'est riche, quoi, en iconographie et tout. Je l'ai vite parcouru, quoi. Alors, la galerie d'enquêteurs pour criminels. Oh, ça alors. Oh, ah bah, ah bah ça. Ça bouge. Il y a un orteil qui est bougé de ce côté-là. Arsène, rien reçu, rien craqué. C'est beau. Ouais. Tu vas te rattraper, j'espère. Voilà. Oui, Tétril, tu verras Fabula Ultima, tu vas kiffer. Mais vraiment, mais genre, en fait, tu vas craquer toi aussi. Parce qu'on est comme ça, nous. On aime bien faire craquer les autres. Alors, Obsidian, rien non plus, c'est très bien, voilà.
Et ici, alors Fantasy, Fantasy World, Freelancer, Freelancers Sky, All India, Fantasy Edge 2. Ça, c'est du jeu vidéo, ça? Ou c'est du RPG? Je t'avoue. Je ne connais pas. Bah oui, c'est pour ça, mais ça me parle plus de JRPG, moi. Mais bon, voilà. Alors, cadeau de Noël pour Olive, l'écran, le livre de base de Château Falkenstein. Ah oui, 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 oui. Ah non, c'est bien RPG, hein. Oui, ce que je dis, Dragon. Voilà. Fantasy Edge 2, oui, c'est le système Edge, donc c'est Green Goblin qui fait ça. C'est ça, c'est Green Ronin, ouais. Green Ronin, pourquoi Green Goblin? Oh là là. C'est juste avant chez son jeu vidéo, je tue des gobelins. Alors, Olive, tu as reçu Chromatopsie et tu rattrapes la gamme VF de The Strange. Bah écoute, très bien. Oui. Voilà. Très rigolote comme gamme. Et donc, pour info, Freelancer Skies Over Tall India, c'est bien un RPG papier. Hein. Ok, d'accord. Bah, écoute, tu vois, je sais pas, donc bah écoute. Faudra qu'on regarde, hein, du coup, où tu nous en feras un rapport, à la limite. C'est encore plus cool. Tu viens sur le Discord et tu nous dis factuellement, voilà, ça c'était bien, ça c'est de la merde, ça c'était cool. Et comme ça, on sait où on met les pieds. ici, on a la réception de Cryptomancien qui va arriver. Ouais. Oui, tout à fait. En plus, déjà. Donc, ouais. Ah, ça arrive. Tout le monde qui disait Speedrun. Oui, bah Speedrun. Bah oui. Oui, c'est très bien, moi j'ai adoré. Ouais. De Frédéric, justement. Là, on voit un projet intéressant qui arrive, genre Jukebox Musical Karaoke RPG. Non. Oh. Non. Oh. Oh là. Alors là, je vais craquer. Avec le titre, tu sais que... Ouais. Oui, oui. OK. Alors, ici, chez Akibi, on a Fabula en collector et Kamicha. Bah ouais. Trois bouquins de Icons à moitié prix. Bah écoute. Vas-y, c'est de la bonne. Il faut arrêter l'alcool. Non, je n'arrête jamais l'alcool. Mais avec modération. Et pareil pour Plume, reçu les plèches de Cryptomancien et de Fabula. Eh ben, écoute, ça fait quand même... Je pense que tout le monde a reçu pas mal de trucs ces derniers temps qui sont arrivés juste après les fêtes, en fait. Oh, ça fait plaisir. Hein. Ouais. C'est bien. On a de la bonne lecture pour un petit moment, quoi. Donc, c'est bien ce que vous disiez. Voilà, 35 minutes juste pour les services presse, craquage, réception. Et on encore, bon. Hein, on a de la chance parce que Néphilim n'est pas arrivé. Hein. C'est vrai. Oh, je l'avais oublié. On aurait reçu la saison 3 de Néphilim, là. En fait, on ne faisait rien. On ne faisait que les réceptions Pledge. Ouais. C'est ça, parce qu'en plus, on sera deux à le recevoir. Donc, trois Trois, oui. Non. Trois. Bah, oui. Ah, c'est parti. Le jour où ça arrive, on fait une émission spéciale. Enfin, un unboxing à trois. Ça va être interminable. Préparez-vous. En bas du Cthulhu, tu vois la saison 1 et la saison 2. Ouais, elles sont là, elles attendent leur petit frère. Là-bas, c'est pareil. Voilà. La place, elle est prête. Là, elle est prête. J'ai tout fait. J'ai libéré la place exprès. Et ben moi, j'avais libéré la place, mais il y a Dr. Zendalek qui est arrivé. Donc, du coup. Voilà. On était boum, raté. Et Chamel qui a reçu Cryptomancien qui va compléter sombre. Ah oui. Sombre, il m'en manque tellement. Je pensais tous les avoir. J'ai fait une pause d'un an et je me rends compte qu'il me manque un nombre terrifiant. Et salut Jean-Marie d'ailleurs, tu vois, voilà. L'alcool, oui, non, bah écoute, on fait comme on peut. Voilà. Hein, voilà. Bah écoute, voilà, ça fait un gros paquet de trucs. On a de la lecture. Moi, c'est surtout des réceptions de pledge qui vont arriver encore. Et pas qu'un peu. Donc. Il reste encore des trucs qui doivent arriver là. Hein. Ah oui. Et puis en service page chez Free League, il y a le Blade Runner hein, qui va arriver aussi. Donc, Tout à fait. Donc voilà, ça va être bien cool. Bah écoute, je vais une spéciale sur la gamme. Néphilim, oui, ce sera fait. Ah oui, je me demande des choses. Néphilim, c'est quoi ça? Oui, d'accord, Néphilim, autant pour moi. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Mais là, il va falloir qu'on la structure correctement, parce que sinon, nous connaissant, on finira jamais. Hein. Bah, juste la présentation de l'univers, il nous faudra 3 heures. Ouais, sachant que j'ai la V1, il manque 2 bouquins. La V2, il m'en manque 3. 4 bouquins. La V3 est complète. La V4, j'ai pas pris parce qu'il faut pas déconner. Et ben la 4, je l'ai. Voilà. Moi aussi, ouais. Ouais, mais non. Voilà. Et la 5, on aura tout. Donc, Elle était jolie, la 4. Ouais. Oui, oui, oui. Mais, incompréhensible, mais jolie. C'est voilà. Ça. Mais mais la V3 complète. La V2, je crois qu'il me manque les Akasha que j'ai paumé. 2 arcades. Il manque 2 arcades dans le grand codex. Enfin, je suis vert. Donc, on vous fera une vidéo complète pour vous expliquer de quoi on parle, parce que si vous connaissez pas Néphilim, c'est pire que chinois ce qu'on vous dit. Hein. Oui, donc si, voilà, pour ceux qui sont amateurs de Néphilim, si un jour vous voyez passer l'arcane 1 et 11 qui traînent quelque part, que vous voulez revendre, je suis preneur.
Voilà, petit appel au peuple, merci, bisous, je vous aime. C'est les deux qui manquent. Voilà, bah écoute, je vais... Oui, 6 mois d'émission. Ah oh, oui, il y en a... Oh, ouais, mais 6 mois, un décent podcast, donc 2 ans et demi, en réalité. Bon, un peu moins que Shadowrun, mais... C'est ça. Je refuse la place à chaque fois, oui. Mais Shadowrun, c'est prévu, mais uniquement la V6, donc ça va. Ah oui. Bon, c'est prévu uniquement la V6, ok. Pour l'instant, on va commencer gentil. Salut Linou. Salut Linou. Salut Linou. Et la bonne année, effectivement. Tout à fait, bonne année. Bonne année à tous aussi, hein, ceux qui n'étaient pas là la dernière émission, voilà tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas trinqué au champagne cette année, je suis un peu chafouin. Hein. Prochaine fois, tiens, bon, on verra. C'est vrai, on rattrapera ça. De toute façon, nous, on va vous fêter, on va fêter des trucs n'importe quand, voilà, on peut. Oui. Puis il y a plein de trucs qu'on doit avoir aussi en off, voilà, donc ça viendra. Ben, puisqu'on parle de boisson, je propose de commencer avec du thé. On va commencer avec du thé. Alors, on va commencer avec du thé. C'est parti. On va rester sobre. On va rester sobre. D'accord. Alors, nous allons parler de Kamitcha, le jardin du thé. Voilà, petit jeu. Voilà. Petit jeu chez Posidonia Edition, hein, qui est arrivé littéralement cette semaine. Voilà. Que je ne dise pas de bêtises. On est quel jour ? On est mardi ? Non, j'ai reçu vendredi dernier. Oh, il y a eu un week-end entre deux, mais ça ne compte pas. Donc, c'est tout frais, ça va d'arriver. Donc, c'est un projet qui a quand même quelques années dans les pattes. Hein. Ça fait plus de 4 ans que l'équipe elle est dessus. Ils ont travaillé dessus. Et puis avant de réussir à le lancer correctement, ouais, enfin pas correctement, mais de le lancer professionnellement avec un financement pour une édition imprimée, couleur, couverture rigide, tout ça. Donc, un financement participatif il y a moins de 3 mois. Qui s'est terminé il y a moins de 3 mois. Livraison, là, je veux dire, on est quand même sur du... C'est du chronométré, hein. Franchement, voilà, bip, bip, code, j'entends le bip, bip, bim. Voilà, livraison directe, hein, voilà, ça n'a pas traîné, incroyable. Ça fait tellement plaisir, franchement, de voir ben, qu'il y a des éditeurs qui lancent des projets quand c'est déjà prêt. Voilà, quand tout est prêt. Et pas d'autres, hein, de gros éditeurs qui disent qu'ils nous vantent des projets terminés et 4 ans après, on apprend que c'est toujours pas écrit. Hein, je ne vise personne. Voilà. Non. On a dit que cette année, on était un peu plus sympa. Bref, Kamitcha, voilà, ça arrivait. Donc, qu'est-ce que c'est comme jeu, déjà ? Donc, on est sur un jeu, c'est de la fantasy. De la fantasy, on va dire, thème oriental. Voilà. Donc, on pourrait penser tout de suite à l'Empire des Cerisiers, L5R, Chine, ce genre de choses. Pour l'ambiance. Un petit peu Wulin, peut-être, hein, pour ceux qui connaissent, qui apprécient le jeu. On est dans cette ambiance-là. Et avec un thème vraiment très particulier, le thé. Voilà. Alors, moi, j'avoue que bah, c'est un peu ce qui m'a attiré dans le jeu. Hein, que, voilà, parce que moi, du thé, bah, j'en bois aussi pas mal. Hein. Je bois beaucoup de café, je bois beaucoup de thé aussi à côté. Hein, voilà. Du coup, je m'étais dit, tiens, ça a l'air sympa. Et quand on voyait le nom des plages, on se dit, oh mon Dieu, cette équipe, là, l'auteur... Il kiffe le thé, ça se sent. Hein. Chaque pledge, c'était le nom d'un thé différent. Sencha, Genmatcha, machin. Voilà, c'est des trucs, quand on en boit un petit peu, on reconnaît. Bon, bref, ça parle de thé. Mais c'est-à-dire, le pitch général, ça va tourner principalement autour de Kamitcha, qui est une sorte, bah, qui est une divinité qui était un petit peu vieillotte, un petit peu ridée. Hein, genre, moi, le matin, sans mon premier café ou mon premier thé de la journée, donc pas beau à voir, hein, rhumatisme, ça craque de partout. Et puis un jour, ben, elle a pleuré, ses larmes sont tombées au sol, ça a fait pousser les premiers théiers, et elle s'est dit, tiens, je vais prendre les feuilles, je vais les faire infuser, elle le boit, petit thé magique, et elle regagne toute sa jeunesse. Du coup, à partir de là, on se dit que le thé, il a quelque chose de particulier dans cet univers. Donc, si elle a sa petite plantation secrète dans son coin, hein, voilà, le thé, la vie éternelle, tout ça... y a plein de gens qui vont commencer à cultiver du thé et tout, et dans cet univers, le thé, il a beaucoup de capacités, c'est-à-dire ils peuvent rallonger votre vie. Après, ça apporte beaucoup de choses positives. Hein, voilà, on est dans un jeu avec une ambiance très positive, on ne va pas le cacher. Et ça fait un petit peu plaisir, on est dans une ambiance très poétique, très calme. On va dire l'opposé d'un... J'ai pas de jeu en tête, mais vous voyez Delta Green, ben c'est pas ça. Voilà. On est dans l'opposé le plus complet en termes d'ambiance. C'est un peu différent de Rotting Christ, par exemple. Oui, voilà. Par exemple, on est sur un opposé de Rotting Christ, basiquement, mais c'est l'opposé complet. On est sur le... C'est ça. Donc, tout va se passer sur une île. Une île assez grande, là où la déesse Kamitcha
à son petit jardin à elle. Il y a des aventuriers qui sont arrivés sur place, attirés par la légende de ce jardin d'été exceptionnel. Et puis, bon, bah, à force d'envoyer du monde là-bas, bah, ils finissent par construire des villes. Ils ont construit une très grande ville, hein, où quasiment une grande partie des aventures va se dérouler dans ce jeu. Voilà, donc on va avoir... Je vais vous le montrer, hein, c'est peut-être plus simple. Voilà, parce que j'en parle. Mais voilà, donc on a le petit bouquin avec un signé. Et ça, signé tissu, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est tout couleur. Voilà, donc la cité des mille arômes, voilà la grande ville où on va globalement jouer. Voilà. On a sur cette île, on aura la ville, on va avoir des forêts, après il y a toute la nature qui est très mal cartographiée. Voilà. Mais ça va se passer soit en ville, soit dans la nature. Voilà. Donc, ça va se passer là-dedans. On va jouer principalement des aventuriers, c'est-à-dire qu'on est là pour à la recherche, une quête du jardin des, bah, du palais du jardin d'été, hein, de ce thé unique. Pour diverses raisons, parce qu'on cherche la vie éternelle, parce que c'est une quête initiatique, parce que ça peut nous aider dans un domaine, parce que je suis un artiste martial et que je veux m'améliorer. Bref, on a tous une raison d'aller sur place et on est tous unis par cette quête ensemble. Donc, en plus, vous avez un petit peu en plus le visuel du bouquin que je trouve très, très, très joli. Hein. Il y a quelque chose qui s'en dégage. Bon, la maquette, voilà. On est sur du... C'est une colonne simple. En même temps, c'est un petit format. Voilà. Regardez-moi ces illustrations, je suis tombé amoureux. Vraiment, c'est magnifique. J'ai regretté de ne pas avoir pris les petits ex-libris qui étaient avec le pledge. J'aurais peut-être dû monter un petit cran pour les avoir. D'habitude, j'aime pas ça du tout, les ex-libris, dans un financement. C'est joli, mais je sais pas quoi en faire. Comme beaucoup de monde, parce que je pledge beaucoup. Du coup, je sais pas quoi en faire. Mais ceux-là, je les aurais bien mis en sous-cadre. Voilà. Donc, on va vous présenter un petit peu la vie, les différentes personnalités, bref. Le bouquin va se diviser en trois grandes parties. La première, c'est la description de l'univers. Donc, on va vous décrire cette ville, les différents personnages qu'on va pouvoir croiser, des petites rumeurs ici et là. Et puis, c'est présenté du point de vue de quelqu'un qui découvre, qui vous explique, qui a parcouru, qui a découvert ça au fur et à mesure. Voilà, qu'il a trouvé des notes, il vous en parle et tout. Du coup, on le découvre en même temps que lui. C'est une manière quand même qui marche assez bien pour nous faire découvrir l'univers. C'est pas encyclopédique. Hein, genre, Londres. 1889 de Cthulhu V6, hein, je pense à toi, qui était ce qu'il fallait pas faire. Donc on a ça. Qu'est-ce que voilà, après l'extérieur, des ennemis, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas très sympas. Donc on va avoir du fantastique avec les esprits, ben donc les esprits chai. Chai, c'est le nom du thé en Inde. Donc on reste dans le domaine du thé tout le temps. Voilà. Donc des méchants démons. Pas gentils, méchants démons. Qui ne veulent pas du bien. Il y aura même une sorte de mafia, j'en parle pas trop, pas plus, mais encore une fois, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Hello Olivier. Donc, salut. On continue. On retrouve après les différents quartiers qui ont chacun un nom, un thème, une ambiance, sans rentrer trop dans le détail. Donc, ça nous décrit les grandes lignes. C'est très bien. Pas besoin de nous assommer avec une montagne d'informations. On a juste ce qu'il faut pour nous donner des pistes. Oh, ok, ça va ressembler à ça, voilà ce que je peux trouver dedans. Un ou deux PNJ, c'est parfait. Voilà, des illustrations encore une fois, il y en a beaucoup, c'est très très illustré. Donc, et puis bon, il y en a qui ont des bonnes têtes, hein. Il y a une bonne tête de champion, j'avoue que il manque quelques dents, voilà, des grands palais, c'est magnifique. Bon, j'avance un petit peu, donc on a une grosse description de l'univers que j'ai trouvé assez sympa. Ça, j'aurais aimé un peu plus, à titre perso, mais c'est, au vu du bouquin, du format du bouquin, c'est très largement suffisant pour franchement, jouer des dizaines d'heures avant d'en faire le tour. Voilà. Donc après la description de l'île complète, les plantations de thé. En plus, on va vous expliquer aussi ben, le monde du thé. Si vous ne connaissez pas le monde du thé, eh bien, sachez que ce bouquin va vous offrir toutes les clés. Hein, pas besoin d'être un très grand connaisseur qui déguste des grands crus, par exemple des plateaux de Yunnan avec un Gaiwan. Si je vais parler de trucs, vous n'avez peut-être rien compris. Ben, ça, vous n'avez pas besoin de faire ça pour apprécier ce bouquin. Donc, arpenter, en plus, on va trouver des animaux, il y aura des esprits, des forêts de bambou. J'espère que vous aimez le bambou, hein, parce qu'il y en a. Hein. Voilà. Pas mal de petites choses, ça, pas mal d'inspiration, aussi bien en Chine qu'au Japon, donc ça fait vraiment plaisir, surtout en Chine. Hein, on est vraiment sur une inspiration plutôt Chine médiévale, ça se sent. Voilà. Culture du thé, donc on va vous expliquer comment ça fonctionne, les différents types de thé. Hein, parce que, peut-être que pour beaucoup de monde, le thé, c'est un Lipton Yellow. Voilà. Mais il y a plein d'autres thés. Hein. On apprend très vite qu'en fait, le thé, ben, vous allez avoir
des thés rouges, qu'on appelle thé noir chez nous, des thés verts, des thés blancs, des thés fumés, des thés sombres, voilà, des puers, plein de choses différentes. On va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que ça sert dans la mécanique du jeu. Et préparer le thé, parce que quand même, ben voilà, on vous explique comment ça va se passer, parce que en termes de roleplay, ça va être au centre, hein, la cérémonie du thé, vous allez en faire quand même plusieurs, sachant que là, elles ont un véritable impact mécanique. Et on va passer justement au... Comment que ça fonctionne, ce petit truc-là ? Donc, on va vous expliquer le personnage, qu'un personnage il est défini par 5 sens. Allez, je vais directement vous montrer une fiche de personnage. C'est bien une fiche de personnage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Comment ça fonctionne ? Zip ! Petite fiche de perso. Voilà. Donc, fiche de personnage avec les 5 sens, plein de petites valeurs. Voilà. Donc, en fait, quand vous faites votre personnage, vous allez avoir un certain nombre de valeurs à répartir dedans. Basiquement, que je ne dise pas de bêtises, on a 24 valeurs à répartir. Alors là, il va falloir s'accrocher un petit peu parce que ce n'est pas hyper intuitif de base. J'ai 24 valeurs. Je choisis les valeurs que je veux répartir dedans. Sachant que ça va de 1 à 12, je ne peux pas en répartir plus de 12. Pas plus de 12 par valeur parce qu'après, il n'y a plus de place. À chaque sens va correspondre à un certain type de compétence, de domaine. Voilà. Par exemple, la vue, ça va être par exemple la perception visuelle, ça peut être visé avec un arc, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va définir des valeurs. En fait, toute la mécanique va reposer sur lancer 2 D12. Et en fait, on va obtenir des succès si sur le D12, ça correspond à une des valeurs que vous avez sélectionnées à la création sur votre perso. Donc, vous allez choisir à la création de perso les valeurs que vous voulez. Vous voulez dire, je vais mettre 6 valeurs en vue, je vais prendre le 1, le 4, le 5, le 6, le 12, le 13. C'est clair ? Je vous sens légèrement dubitatif. D'accord. Non, bon, ok, de toute façon, je vous remontrerai les prétirés, vous allez vite comprendre, je crois qu'il y a d'autres prétirés un peu plus loin, mais c'est pas compliqué du tout, en fait. Donc, on va avoir les 500, on va répartir des valeurs dedans, ensuite, on va avoir des voix, donc les voix qui vont être notées de 1 à 2. Voilà, donc, des voix, c'est des... les voix du guerrier, les voix du travailleur, du voyageur, en fait, c'est des domaines de compétences complets. Donc voilà, si vous êtes à 2 dans le domaine du guerrier, basiquement, vous savez faire tout ce qu'un guerrier sait faire. Taper, mais aussi entretenir son armement, impressionner, tenir une embuscade, ce genre de choses. Bref, ce genre de choses. Voilà. On peut avoir ensuite des esquisses. Donc en fait, après, c'est des arts, un art particulier. L'art de la torréfaction, l'art de la couture, ce genre de choses qui pourront nous offrir également des bonus dans certaines situations. Voilà. Des entraînements, donc on verra ça après, hein, l'expérience, le style, tout ça. Ah, voilà, des prétirés. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour vous montrer. Zoom. Pourquoi il ne veut pas zoomer ? Il est méchant, hein ? J'ai dit zoomer. Méchante caméra. Zoom. Ah, donc voilà. Voilà, c'est peut-être plus visuel comme ça, ça vous expliquera. Donc, nous avons, par exemple, au centre, celui ou celle aussi léger qu'un nuage. D'ailleurs, en plus, on a souvent des surnoms comme ça. Celui ou celle qui. Ça donne un vrai cachet, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'il n'a que 2 valeurs, par exemple, en vue. Donc, la vue, ce n'est pas son domaine de prédilection, vu qu'il n'aura que 2 résultats qui pourront donner des succès. Il a choisi 6 et 8. Alors que, par exemple, je vois qu'en ouïe et en toucher, beaucoup plus de valeurs, donc beaucoup plus de chances de réussir. Voilà, c'est plus développé. On voit des courtisans, voir des sages, donc on voit ses voix, les arts, tenir en équilibre, pister, donc tout ça, et l'équipement. Et basiquement, là, vous avez toute la fiche de perso, là. Donc, c'est pas compliqué. Allez, on va dézoomer. J'ai dit dézoom. Ouh, ça a dézoomé beaucoup, là. Dézoomer un peu moins, c'est bien. Gentil, caméra. Non, mais vous lui parlez correctement, sinon elle s'énerve. Route du thé, donc après, on va vous expliquer comment fonctionne un test. Donc, en fait, un test, vous allez lancer des D12. On lance un nombre de D12 égal au score de la voix. Donc, si j'avais une voix à 1 ou 2... Je vais lancer un nombre de D12 égal à ça. Et encore plus un D12 si j'ai un art qui s'applique. Donc je vais lancer voilà, jusqu'à 3 D12. Et ces tests est basé sur l'un des 5 sens. Jusque là, classique. Et du coup, chaque dé qui donne un résultat d'une valeur que j'ai choisie sur ce sens donne un point d'équilibre. Donc un équilibre égale un succès. Donc s'il y a des équilibres, j'ai réussi. C'est pas compliqué. On est sur quelque chose de simple, une fois qu'on a compris qu'en fait, il fallait juste sélectionner les valeurs au début. Voilà, après, on a les tests en opposition, donc ça, c'est encore une fois, c'est pas compliqué. Hein. En opposition, chacun fait son test, et celui qui a le plus d'équilibre, donc de succès, il l'emporte.
Voilà. Il peut y avoir des trucs assez rigolos. En cas d'égalité, il y a une petite mécanique que j'aime bien, c'est, on peut dire, c'est plus contre des PNJ, je gagne parce que j'ai quelque chose de plus que l'autre. Voilà. Je réussis parce que j'ai un meilleur sabre que mon ennemi. Et en fait, si je vois que les stats de mon sabre sont meilleurs que celles de mon ennemi, bah, le MJ va faire « Ok, c'est bon, t'as raison, du coup, t'as un dé en plus. Bah, » c'est débile, mais voilà. Donc, on peut faire des prouesses, donc on va dépenser des points d'une ressource à côté de la théine donc, pour nous booster. Hein. C'est du thé, donc on a de la théine qui nous permet de nous booster. Hein. Théine, caféine, même chose hein, pour ceux qui font un peu de chimie organique. Donc, vous savez que plus il y en a, plus on pète le feu. Voilà. Les règles de voyage, parce qu'on va, on va pas mal bourlinguer dans ce jeu, hein, voilà, dans la forêt et tout. Hein. Donc, ça, se reposer, on va vous expliquer la mort, le soin, comment se soigner. C'est pas compliqué, on peut soigner assez facilement. Hein. Un bon repas, un bon dodo, et on se soigne. Parce que chaque fois qu'on prend des blessures, en fait, on va cocher des valeurs sur notre, nos cinq sens. Et une fois que bah, tout a été coché sur nos cinq sens, le personnage, il est soit hors-jeu, soit baroud d'honneur, c'est-à-dire dernière action, et il meurt. Voilà, dernière action, sans malus, et puis ensuite il meurt. Bref, les poisons, gérer les affrontements au combat, donc vous allez pouvoir faire un petit duel en 1 contre 1, c'est prévu, hein, parce qu'il y a un petit côté cinématographique, très wuxia, donc un bon duel au sabre, c'est classe. Et puis on peut faire aussi une bonne grosse mêlée qui a plusieurs, et ça marche aussi. Donc les jets de dégâts, c'est pas compliqué, voilà, on est sur une mécanique de combat extrêmement simple. Pas de manœuvre complexe ou quoi que ce soit, on va à l'essentiel. De ce côté-là, moi j'aime bien. Comme ça, on sent que le combat, on n'est pas là pour faire du combat tactique. Donc désolé pour les fans de Pathfinder ou des D5, c'est pas trop l'ambiance. La cérémonie du thé, où là on va avoir plein de mécaniques différentes. Donc à chaque fois qu'on fait une cérémonie du thé, on va pouvoir regagner et des points de théine, des points d'équilibre, ce genre de plein de choses. Un peu plus technique, donc là on va vous expliquer un peu plus aussi les différents thés et tout, parce que là c'est la mécanique, les différentes saveurs du thé qui vont permettre d'obtenir des bonus. La pureté et tout, le respect, service à thé, bon bah voilà. Après l'armement, l'argent, on est dans quelque chose de classique, mais encore assez. C'est rapide, on se prend pas la tête, c'est efficace. Ensuite on a le parfum d'aventure, donc en fait là c'est la dernière partie et on a des conseils. Voilà, comment partir à l'aventure, comment gérer ça, pourquoi on est parti à l'aventure. Je vais expliquer que le thé est au centre de l'histoire, quand même. Bon, on l'avait compris, mais voilà, on, encore avec un peu plus de différents conseils, des idées de présentation de différents thés. C'est plutôt sympa, parce qu'à chaque thé va correspondre une personnalité en plus. Il y a des vendeurs de thé qui sont inspirés d'un thé qui existe, et du coup, ça donne des idées assez intéressantes, en fonction du caractère de la boisson, ce genre de choses. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une fois qu'on lit le bouquin, c'est très bien expliqué de ce côté-là. Ensuite, gérer l'exploration, parce qu'il va y avoir beaucoup d'exploration, vu qu'on part dans la nature, et la nature, elle n'est pas cartographiée du tout. Donc, comment le faire ça avec une petite carte, des conseils, voilà. Les rencontres, gérer les PNJ, on est sur, voilà, classique. Et il peut y avoir jusqu'à des dragons. Hein. Donc après, il y a des gros esprits. Hein. C'est rare, mais pour vous expliquer qu'il y en a. Des mystères, donc après on va voir des PNJ, donc là on est dans les secrets, hein, voilà, et même la Descamicha, c'est vous dire. Les terres aux mille secrets, donc après on va voir les secrets du territoire, hein, secrets locaux, PNJ, beaucoup de PNJ. On est à pas loin de 15 ou 20 PNJ dans le bouquin. Donc je pense que pour faire vivre la ville, ça va, vous n'aurez pas trop de difficultés. Pour devenir théicultrice, donc voilà, il y en a encore d'autres. Et puis ensuite on a un gros scénar. Gros scénar d'introduction. Comment dire, on vient d'arriver, on est aventurier, on arrive sur l'île. On nous propose un petit boulot. Ça nous permet de découvrir les particularités de l'île, de la ville. On va partir aventure à la recherche d'un thé un peu rare quand même. Ça ne va pas être simple. Il va se passer des trucs très bizarres. Et je ne vous gâche pas la suite du scénario, mais ça va se complexifier un grand coup. Et c'est plutôt agréable, c'est-à-dire que le scénario ne va pas se contenter d'être une bête exploration. En mode aller dans la pampa, trouver le bosquet sacré, revenez, hein, c'est très bien. Pas du tout. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça, livre de base. Voilà. Donc, 35 €. Voilà, que je ne dise pas bêtise, hein, couverture rigide, que vous avez vu, couleur. Le petit tissu, ça, j'adore. Et avec, vous allez, il y a aussi l'écran qui est sorti. Et l'écran, moi, moi, moi.
Alors, voilà. Ah, il est magnifique. Voilà, moi, j'adore. Je pense honnêtement que cet écran va devenir mon écran par défaut pour faire jouer du JDR oriental. Parce que je trouve les couleurs magnifiques. Et il n'y a pas de nom dessus, comme tu dis. Et puis de l'autre côté, bah, en fait, c'est toutes les règles du jeu. Et autant dire que bah, y en a pas beaucoup. Voilà. Et puis le petit set de dés qui était sorti, voilà, je vous le montre. Donc, voilà, petit set de dés avec des symboles. Voilà, dans le thème, c'est sympa. Et il faut que je le trouve, voilà. Oups, c'est pas évident de le faire à l'envers. La petite théière, hein, voilà, à la place du 12. Voilà, c'est mignon, j'aime bien. Donc, pour pas cher, c'est pas cher et c'est plutôt sympa. Alors, on va revenir sur ma sale tronche. Hein, cadeau. Et ouais. Ouais, fini les belles illustrations, maintenant vous avez ça. Désolé. Donc, Camille... Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il faut que je me calme. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu ? Alors, pour le prix, pour 35 euros, je trouve qu'on a un JDR, comment dire, JDR de fantasy orientale. Il commence à y en avoir quelques-uns hein, dans le paysage français. Ça fait plaisir, parce que pendant des années, ça a été un petit peu mis de côté. Mais là, on a un axe très particulier, très poétique qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres jeux. Et ça, j'aime beaucoup. Ça lui donne vraiment un cachet unique. C'est sûr que bah, c'est un JDR où, en fait, si vous êtes amateur de thé, ça vous parlera, clairement. C'est, ça va vous attirer de suite. Vous allez comprendre toutes les références. Ça fait plaisir. Si vous ne les avez pas, ces références, bah, c'est un peu plus compliqué de rentrer peut-être dans le jeu parce qu'il faut tout appréhender, petite subtilité, se mettre dans l'ambiance. Voilà. Mais bon. C'est quand même bien réexpliqué. Les visuels sont juste fous. Je trouve les illustrations splendides. D'ailleurs, je vais vous quand même nommer ben, l'équipe qui est derrière tout ça parce qu'on oublie très souvent de les mentionner. Alors, donc c'est un jeu de rôle de Loïc Massin, hein, aussi appelé Melty Imperial Anista, voilà, de son petit pseudo. Pauline Panel dit Dilu et Laetitia Jalabert dit Jali. Donc voilà, donc. Les illustrations, bah vous avez vu, rédaction, c'est Melty, donc c'est Loïc Massin. Rédaction, pareil. Illustration de couverture et intérieur, donc c'est les grandes illustrations, c'était donc de Pauline Panel. Et honnêtement, j'adore son travail, vraiment. Et les portraits intérieurs, c'est Laetitia Jalabert. Voilà. Donc, cette équipe, moi je dis, franchement, bravo. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est rafraîchissant. Voilà, moi, c'est un JDR, c'est un côté rafraîchissant. On n'est pas sur quelque chose de violent, on n'est pas sur quelque chose de bourrin, on n'est pas là pour sauver le monde, pas du tout. On est là pour une quête initiatique. Voilà, on veut trouver le thé qui peut nous amener peut-être la vie éternelle, mais c'est pas sûr. Donc voilà, j'aime bien. Ça fait plaisir par rapport à beaucoup d'autres jeux avec une trame ultra sombre, ultra violente, qu'on retrouve très souvent. Je dis ça parce que juste avant, j'avais lu un des suppléments pour le 5R, et pas que l'outre-monde il est méchant, que Fouling il va détruire le monde et le dévorer trois fois avant le petit-déj. Non, non, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sympathique. J'aime beaucoup. Et en plus j'étais curieux de voir ce qu'était capable de faire Posidonia Edition. Parce qu'il y a eu pas mal de jeux, il y a eu des couacs chez Posidonia Edition ces dernières années, on va pas le cacher. Hein. Il y a des jeux, ils sont sortis, mais voilà, c'est un peu compliqué. D'autres ils sont toujours pas sortis. Voilà. On est d'accord. Une Priden, je pense à toi, et je t'attends. Voilà, donc il y a eu un peu tout, et là on avait je m'étais dit tiens je vais tester, et franchement le résultat est plutôt propre, il est même carrément propre. Très bon choix. C'est pas mal, ça c'est pas. Justement, je me suis fait un petit gain de matcha, il était bon. Bref, voilà, donc pour moi, je suis vraiment convaincu, c'est sympa, et pour le prix, franchement, j'ai envie de dire, ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Donc ça, ce sera trouvable en boutique, hein, bien entendu. Hein. Je ne sais plus qui distribue ça. Alors, Posidonia Edition, je n'ai pas envie de dire de bêtises, qui est le distributeur de Posidonia actuel. Hein, je suis un petit peu rouillé. Mais bref, on trouvera. Ne vous inquiétez pas pour ça. Franchement, vraiment une bonne note pour ce jeu. Une bonne surprise. Et pour moi, une très bonne façon de commencer l'année. Franchement, joli boulot, les gars. Super. Eh ben ouais, franchement, top, hein. Ça donne envie, hein. Ouais, je savais que tu m'avais parlé, mais à ce moment-là, j'avais déjà pledgé des trucs en VO, donc c'était un peu compliqué. Ouais, je comprends. Pas tout pledgé, hein. Non, c'est pas possible. On le ferait bien, mais... Enfin, pas tout, ouais. Pas.
peut-être pas. On va s'essayer aux transitions, puisqu'on parlait donc des divinités, donc Kamicha de l'Iloté. On va rester dans les divinités. Donc, il me semble que dans les Appalaches, qui se situent Amérique de l'Est, hein, voilà. À l'Est des États-Unis, tout à fait. C'est ça. Et ben, du coup, tu vas nous parler d'un jeu qui avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti sur Kickstarter, déjà par les visuels et par la thématique. Donc, je te laisse en parler, Manu. C'est à toi. Tout à fait. Eh bien donc, effectivement, c'est le bien nommé Old Gods of Appalachia, les vieux dieux des Appalaches. Donc, hein, les Appalaches étant cette chaîne de montagnes à l'est des États-Unis dont tu parlais à l'instant, mon cher Fred. Donc, effectivement, il y a eu un... Alors, c'est publié par Monty Cook Games. C'est écrit principalement par Shanna Germain, qui est une des autrices maison. Hein. On lui doit déjà pas mal de choses. Et avec l'aide de Monty Cook, etc. Et c'est adapté, il faut le savoir, c'est important, d'un podcast audio qui a maintenant un paquet de saisons et qui est un podcast, c'est une espèce de feuilleton, en fait, hein, qu'on peut, voilà, avec des histoires qui sont racontées, des histoires qui se déroulent dans ce monde, c'est-à-dire les Appalaches dans les années 10, 20, 30, hein, qui sont des histoires d'horreur, hein, puisqu'on parle là de d'un sous-genre de l'horreur qu'on pourrait qualifier de folk horror, donc l'horreur, un petit peu des campagnes reculées, quoi. C'est les cas de ces Appalaches. Alors effectivement, ça a fait l'objet d'un Kickstarter. Alors sur le Kickstarter, outre ce bouquin de base, on pouvait avoir un écran, on pouvait avoir un livret du joueur, il y avait des dés, il y avait une piste stadé, il y avait la carte des Appalaches mais en tissu, il y avait une boîte en métal genre boîte à biscuits, enfin voilà, il y avait énormément de choses, des cartes pour les objets, pour les machins, etc. Un journal de campagne, enfin bref, voilà, moi je n'ai pris que le livre de base, et il faut le savoir, c'est quand même un bouquin qui vaut $70, donc autant vous dire qu'en import, bah, il vaut à peu près l'équivalent en euros, donc c'est pas donné. Ceci dit, c'est un gros livre puisqu'on est à plus de 400 pages, tout en couleur bien sûr, avec une couverture dure, un signé, etc. À l'intérieur, vous allez trouver ceci, donc la reproduction en fait sous forme de poster de la couverture. Je me recule. Voilà, bon, il y a des reflets, je suis désolé. Et de l'autre côté, la fameuse carte des Appalaches. Voilà, on n'est pas en tissu, hein, on est en papier glacé, d'où les reflets. Voilà, donc ça c'est bien sympa de trouver ça à l'intérieur, surtout quand vous ne connaissez pas bien les Appalaches. Moi c'était mon cas, enfin, je savais que ça existait et quels états à peu près ça recouvrait, mais après le détail, franchement, je n'aurais pas su vous placer les endroits. Alors, dans ces 400 pages, qu'est-ce qu'on va trouver? Le système de jeu, la description des Appalaches et deux scénarios, donc ça c'est plutôt sympa, il y a deux scénarios à la fin, donc ça c'est toujours une bonne chose, je vous en reparlerai après. Le système de jeu, on va commencer par ça parce que c'est le Cypher System et ça demande peut-être un petit peu d'explication pour les gens qui ne le connaissent pas. Il a pourtant été traduit en français puisque deux jeux motorisés en Cypher sont sortis chez Black Book Edition. C'est d'abord Numenera qui a eu quand même une gamme assez suivie, hein, je crois qu'il y a 7 ou 8 suppléments qui sont sortis en VF, il y en a plus en VO, donc la VF n'est pas complète. Et le deuxième, c'est The Strange, qui lui s'est arrêté très vite. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un jeu très intéressant. Et donc ce Cypher System, donc dans ces deux itérations, Monty Cook en a tiré un jeu générique, qui s'appelle donc Cypher System. Il y a deux éditions, et puis pas mal de suppléments qui permettent de jouer tout un tas de choses. Il y a un supplément pour jouer des héros du quotidien, genre des pompiers, ce genre de trucs, voilà. Enfin, il y a pas mal d'idées plutôt intéressantes. Et donc, c'est ce Cypher System qui a été adapté à Old Gods of Appalachia. Je vais vous parler du système un petit peu plus en détail, puis après je vous dirai si d'après moi c'était une bonne idée d'utiliser donc ce système pour cet univers. Donc le système, ça reste un système assez complexe, assez crunchy, comme on dit. Enfin, ceci dit, ça c'est mon
mon estimation de la chose, je suis plutôt un partisan des systèmes plus simples. Mais bon, c'est pas plus compliqué qu'un Donjons et Dragons 5. Mais c'est à peu près le même niveau de complexité et de foisonnement de règles, si vous voulez. Donc voilà. Donc, si vous êtes repoussé par ce type de choses, c'est peut-être pas le genre de système qu'il vous faut. C'est un système D20, parce qu'on utilise des D20, mais c'est à peu près la seule ressemblance avec Donjons et Dragons, puisque ça change quand même pas mal. Le système de base est très simple. Vous lancez un D20, il faut faire le plus haut possible, bien entendu. Sur 19, vous avez un avantage que vous allez pouvoir utiliser. Sur 20, vous avez un super avantage que vous allez pouvoir utiliser, généralement pour faire un petit peu une intrusion dans la narration du MJ. Vous voyez, ça, c'est très très simple. Et vous devez battre une difficulté. Il y a 10 niveaux de difficulté, et alors là c'est un petit peu la petite complexité de base. À chaque niveau de complexité, de difficulté, pardon, il va y avoir un chiffre à dépasser. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lecture directe entre la difficulté et le jet de dés. Vous allez devoir multiplier par 3 la difficulté pour trouver le nombre à faire avec votre D20, quoi. D'accord. Donc, par exemple, si vous avez une difficulté 2, eh ben, il faut faire 6 avec votre D20. Bon, voilà, c'est la petite difficulté du genre. Maintenant, l'idée, c'est que donc, ces 10 difficultés qui servent de niveau, hein, finalement, eh ben, on va les retrouver partout. Par exemple, tous les monstres utilisent cette échelle. Donc, si vous avez un monstre de difficulté 5, eh ben, vous savez que tous les jets pour se battre contre lui, ils vont avoir un chiffre à dépasser de 15. 5 x 3. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien et ça permet d'aller assez vite quand même. Bon, maintenant, il faut se souvenir qu'il faut systématiquement multiplier par 3. Alors, il y a un petit tableau, hein, bien entendu, pour vous montrer ça. Oh là là, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, tableau hein, qui se trouve sur l'autre page, c'est l'autre main. Ici, j'ai un peu de mal avec ma latéralité, vous l'aurez compris. Et donc, voilà, qui vous rappelle un petit peu les 10 niveaux de difficulté. Alors, comment on fait avec un D20? Bonne question, parce que forcément, oui, si le niveau de difficulté c'est 10, eh ben, le chiffre à dépasser c'est 30, forcément. Eh ben, c'est là où, justement, vous allez avoir vos capacités qui entrent en jeu. Si vous avez une compétence dans laquelle vous êtes formé, eh ben, vous allez pouvoir baisser d'un niveau la difficulté, donc votre 10 va passer à 9. Et si vous êtes spécialisé dans cette même compétence, vous allez faire baisser de 2 niveaux la difficulté. Donc, votre 10 va passer à 8. Alors, vous me direz, ça fait toujours 24, c'est toujours au-dessus de ce qu'on peut faire avec un D20. Tout à fait. Mais vous avez d'autres moyens de faire baisser la difficulté. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans le système, c'est que tout le système, en fait, tourne autour de ça. C'est faire baisser la difficulté. Donc, vous avez une notion d'effort. Vous avez un nombre de points d'effort que vous allez pouvoir investir et qui vont pouvoir faire aussi baisser cette difficulté. Donc, il y a pas mal de choses. Si vous avez ce qu'on appelle un asset ou un atout, donc ça peut être un matériel particulier, etc., là encore, ça peut faire baisser la difficulté. Et toute l'idée, donc, est de faire baisser la difficulté jusqu'à que ce soit atteignable. Voilà, voilà. Vous avez 3 caractéristiques seulement, et ces caractéristiques, en fait, servent de réserve, parce qu'à chaque fois que vous allez chercher à mettre de l'effort dans quelque chose, eh bien, vous allez piocher dans la caractéristique qui est liée à ce que vous faites, et forcément, ces caractéristiques vont baisser. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la base du système. C'est pas facile à expliquer comme ça, hein, mais c'est quand même un système qui est basé sur l'attrition, puisque comme je vous le dis, les compétences, les caractéristiques servent de réserve. Voilà. Et puis, vous avez donc cette notion d'effort, et vous avez aussi une autre option qui s'appelle le edge, qui est le nombre d'efforts que vous pouvez investir. Enfin, bon, c'est quand même assez un petit peu compliqué, mais on finit par s'en sortir très bien. Les personnages ont des niveaux qui sont appelés des tiers, il y en a 6, bon, et donc
si vous connaissez Donjon, vous ne serez pas surpris. À chaque niveau, vous allez gagner des augmentations de vos caracs, des augmentations de votre effort, des augmentations de votre edge qui vous permettra de dépenser plus d'efforts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis des nouvelles compétences, et puis des capacités spéciales. La liste des compétences voilà, est assez raisonnable, on va dire. Il y en a une trentaine. C'est du assez classique. Et puis on arrive donc à la partie qui est la description du personnage. Alors, dans le Cypher System, l'idée, c'est que votre personnage va être décrit par trois attributs. Le premier, c'est grosso modo votre métier. Donc, on dit je suis, je ne sais pas, moi, un prêcheur itinérant, par exemple. Donc, ça, c'est votre métier. Ça va être votre classe de personnage, en fait. Hein. Ensuite, il va y avoir un adjectif qui va se coller à ce métier. Donc, par exemple, vous pouvez être, je ne sais pas, moi, un prêcheur itinérant agile. Voilà. Et enfin, vous avez ce qu'il fait, ce qu'il fait ou ce qu'il démarque des autres. Et donc, ça va s'exprimer sous la forme d'une périphrase comme qui fait quelque chose. Je ne sais pas, moi, je suis un prêcheur itinérant agile qui réveille les morts. Ouais, ça, c'est un peu l'idée. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on définit un personnage. Et ces trois éléments, par contre, ils ne sont pas complètement freeform, ça ne pourrait pas mettre n'importe quoi. Pour chacun de ces trois éléments, il y a des listes. Pourquoi il y a des listes? Parce que, comme dans Donjon, vous allez, pour chacun de ces éléments, avoir une série on pourrait appeler ça des dons, hein, dans Donjon, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous allez gagner à chaque niveau, selon votre adjectif, selon votre métier, eh ben vous allez gagner des nouvelles capacités, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez touffu, vous allez avoir des capacités par votre classe de perso, votre adjectif, votre machin, votre truc. Donc autant de petites règles, c'est pour ça que je dis qu'on est quand même sur... quelque chose d'assez touffu en termes de règles. Une fiche de perso, oui, là oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle sera très très parlante. Elle est en paysage. Voilà. Alors, vu comme ça, d'ailleurs, c'est pas si. Il n'y a pas tant d'informations techniques que ça. Hein, comme vous oui, exactement. Ouais. Hein, vous voyez les trois caractéristiques que sont donc Might, Speed et Intellect. Donc, la puissance, pourrait-on dire, c'est pour tout ce qui est physique. Speed, ça va être à la fois votre vitesse, votre dextérité, votre agilité, etc. Et l'intellect pour tout ce qui va être mental. Donc, encore une fois, ce sont des réserves dans lesquelles vous allez piocher. Ici, vous allez voir en bas les compétences, les différentes attaques que vous pouvez avoir, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Et les fameux ciphers, c'est les objets, je crois, c'est ça. Hein. Alors voilà, on en arrive effectivement à ce qui reste pour déterminer votre personnage. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez pris vos petites définitions, vos petits machins, etc., il vous reste encore les ciphers. Donc ça donne son titre au système, c'est pas pour rien, ça a été créé pour Numenera, où en fait on retrouvait des objets d'un passé très très lointain, donc les ciphers c'était une espèce de gadget magique dont on savait pas bien ce qu'ils faisaient, etc., avant de les essayer, etc. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire comme on est dans la folk horror, tout va être lié à l'aspect un petit peu magique, et magie, traditionnelle, sorcellerie, ce genre de choses. Donc un cipher, ça peut être un petit objet enchanté, ça peut être une potion, ça peut être une poudre qui sert à quelque chose, voilà, ça peut être tout un tas d'éléments comme ça. Comme dans Numenera, vous ne pouvez pas vous balader avec 300 ciphers en même temps parce que leur magie va entrer en conflit et donc du coup vous êtes limité au nombre de ciphers que vous pourrez transporter. Rassurez-vous, plus vous montez de niveau, plus vous pourrez en transporter, d'accord ? Et les ciphers sont par définition des choses volatiles, c'est-à-dire qu'ils s'épuisent, donc ils arrêtent de marcher au bout d'un moment, la potion, une fois qu'elle est bu, elle est bu, ce genre de choses. Et donc tout le jeu va être de retrouver des ciphers. Mais il y a beaucoup de magie dans l'univers, on parlait de l'univers juste après, et vous pourrez donc... trouver de nouveaux ciphers, les remplacer, et ainsi de suite, quoi. Vous avez plus fort que les ciphers, vous avez les artefacts. Donc là, les artefacts, non seulement sont plus puissants, mais surtout, ils ne se vident pas, ils sont plus permanents, etc. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments de constitution de votre personnage, et il y a surtout beaucoup de petits trucs qui vous apportent un petit avantage par-ci, un petit avantage dans telle situation, etc. Donc, voilà, quand je dis que c'est touffu, c'est à cause de ça. Donc, je vous donne un exemple là. Là, on est dans l'adjectif qui vous caractérise. Donc, vous voyez, vous choisissez votre adjectif. Donc là, par exemple, vous avez loyal, vous avez chanceux, vous avez mystique,
vous avez neighborly, on pourrait traduire ça par un bon voisin, quoi. Et en fait, vous voyez, c'est une colonne à chaque fois, donc c'est une colonne de petites règles qui vous donne des éléments pour votre perso, quoi. Donc, je sais pas, moi, si vous êtes loyal, et ben vous allez ajouter 2 à votre intellect, vous allez avoir, avoir le niveau 1 dans 2 compétences, vous allez avoir plein de choses comme ça. Donc, c'est un petit peu le principe. Alors, l'univers, maintenant, et ben, ce sont ces fameuses régions qu'on désigne sous le nom d'Appalaches. Ça va de l'état de New York au nord à l'état du Tennessee au sud, hein, en passant donc par le Maryland, de la Virginie, le Kentucky ou la Caroline du Nord. Ce sont des pays qui sont caractérisés par le fait qu'il y ait des montagnes et des collines, par le fait qu'il y ait des endroits, des vallées qui sont très très reculées et très difficiles d'accès, surtout dans les années 20, hein, encore. D'ailleurs, on vous explique qu'il y a quand même des bus, mais il faut surtout utiliser le train, voilà, qui est clairement la ligne de vie, on va dire, l'espèce de d'aorte qui irrigue cette région. Donc le train est très mis en avant. Et puis, c'est une région très minière, c'est-à-dire qu'en fait, les sous-sols sont très riches, donc il y a beaucoup de mines, et c'est un élément essentiel du setting, puisque beaucoup de choses vont se tourner autour des mines où on a peut-être creusé un peu trop loin. Vous voyez, le truc habituel qu'on entend depuis la Moria, hein, un petit peu, c'est qu'il faudrait peut-être pas creuser aussi profond. Donc, parce que dans le sous-sol de ces Appalaches, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dieux anciens, les fameux old gods, qu'on appelle aussi les choses, qui ont été enfermés il y a longtemps. Voilà. Et plus on creuse, et ben plus on s'en rapproche, et plus on s'en rapproche, plus ils peuvent nous influencer, et plus ils nous influencent, et plus nous arrivent des trucs très très bizarres et très très glauques. Ça n'hésite pas à aller dans l'horreur franc, hein. Il y a des créatures qui sont vraiment vraiment sales, il y a des pactes qu'ont passé les humains avec des créatures anciennes qui sont aussi très très glauques, et vous avez un petit peu 2 principes directeurs. Il y a ce qu'on appelle le green. En gros, si vous voulez, c'est un peu tout ce qui tourne autour des esprits de la nature, protection de la nature, etc. Alors, ça donne des créatures qui sont parfois très dangereuses, hein, parce que c'est la nature, elle peut être très sauvage, mais c'est quand même quelque chose qui se rapprocherait un petit peu le plus de ce qu'on pourrait considérer comme le bien dans le setting. Notamment, beaucoup de sorcières de village, beaucoup de rebouteux, rebouteuses, etc., ont des pactes, ou en tout cas, utilisent des pouvoirs qui viennent directement du green. À l'inverse, vous avez le inner dark, hein, la noirceur intérieure, qui elle est clairement liée aux choses anciennes ensevelies et qui peuvent être très très, voilà, qui sont particulièrement particulièrement dégueux et œuvrent clairement pour l'asservissement de la race humaine. Donc voilà un petit peu. On n'en sait pas beaucoup plus sur le green et sur l'Inner Dark. On a 2 pages, hein, grosso modo, qui les décrivent, sans beaucoup plus de détails. Alors après, bien sûr, vous avez plein de créatures, il y a un bestiaire plutôt sympa, plutôt bien fourni, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas tant que ça sur ces 2 éléments. Ça sera peut-être développé par la suite, si la gamme continue. Alors, j'en reviens un petit peu au bouquin. Donc, je vous avais dit, les règles prennent pas mal de place. On est quand même, hein, une fois qu'on a tout dit, avec tous les éléments, etc., à près de, c'est ça, 180 pages de règles. Donc, il y a quand même, c'est quand même un assez gros, voilà, hein, si vous voulez voir, toute cette première partie-là dans le bouquin, ce sont les règles. Hein. Voilà. Tout le reste, c'est setting et scénario. Et donc, on commence par une description générale des Appalaches. Je crois savoir qu'il y a des blagues qui tournent là en ce moment sur le. je regarderai après, parce que là, je n'ai pas le temps. Je pense que voilà. Donc, vous allez avoir ça, une timeline, bien sûr, des éléments. C'est très joli, hein, c'est très bien illustré. Des éléments sur la faune, la flore, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est très bucolique. Hein. Donc, clairement, vous jouez des gens qui vivent là-bas. Vous jouez ce qu'on pourrait appeler des hillbillies, hein, parfois, c'est-à-dire vraiment des paysans. Voilà. Il y a quand même, clairement, au début, on vous dit, comme dans le podcast, c'est pas un truc au second degré. Hein, on n'est pas là pour se moquer de ces gens ou faire des accents idiots, etc. Enfin, ils vous disent clairement, si c'est ce que vous voulez faire, c'est pas le jeu pour. Quoi. Là, on a du respect pour ces traditions et ce genre de choses, sans jamais, d'ailleurs,
au passage, se fermer les yeux devant les réalités de l'époque, c'est-à-dire, bien sûr, le racisme, la bigoterie, bien entendu, les compagnies minières qui sont assoiffées de richesses, voire d'autres choses. Donc voilà, une définition un petit peu de la magie des Appalaches, ce genre de truc. Un petit focus sur tout ce qu'on a en fait en termes de communication, est-ce qu'il y a le téléphone, il y a la radio, il y a les bus, il y a le train, comme je vous le disais. Et puis après, on va passer état par état. Donc on commence avec la Pennsylvanie, par exemple. Et pour chaque état, on va avoir une petite description générale, on va avoir les lieux importants, donc les villes, les villages, etc. Et pour chaque endroit qui est décrit, vous allez avoir des PNJ, donc c'est très très riche, des PNJ, et puis surtout les choses qui se passent en ce moment, quoi. Enfin, les choses bizarres qui se passent en ce moment. Donc ça peut être une créature qui rôde dans le coin, ça peut être des gens qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû, ça peut être des forces à l'œuvre, ça peut être des visiteurs étranges, voilà, c'est tout ça, et ça donne vraiment une super ambiance très très noire, et qui change un petit peu, voilà, c'est pas du Cthulhu, quoi. Il y a vraiment une patte personnelle, une patte très intéressante qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, c'est très riche, hein, vous allez trouver ça par. Donc, après, on passe au Kentucky, où on a encore deux villes qui sont décrites, la Caroline du Nord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, vous aurez des PNJ par-dessus la tête. Quel que soit l'endroit où vous avez envie de placer votre scénario, vous allez sans problème trouver votre bonheur. Il y a des chouettes trucs, et puis en plus, il y a des menaces qui sont inter-État, enfin, qui couvrent toute la région, en gros. Donc, c'est vraiment très chouette. Ça prend beaucoup de place, hein, dans le bouquin. Ensuite, on a des conseils OMJ. On retombe sur quelques éléments, notamment la gestion des personnages, de leur évolution, les XP, ce genre de choses. Bon, voilà. C'est là qu'on va attaquer la liste assez longue des ciphers et des artefacts dont je vous parlais. Donc, vous allez en avoir... Votre content, il y en a beaucoup, beaucoup. Et on imagine qu'il peut y en avoir plus. Hein. Mais donc, vous voyez, ça va donner des choses comme ça. Donc, il y a des doubles pages pleines de ciphers. Hein, vous allez avoir, comme je vous le disais, des petits objets, des plumes de trucs, des poils de machin, des petits charmes, des petits... des os aussi. Tout ça imprégné de magie. Magie plus ou moins propre. Donc voilà, les artefacts suivent exactement la même chose. Et on en arrive enfin au gros bestiaire. Je vais vous donner quelques exemples, alors peut-être des choses un petit peu parlantes. Vous voyez par exemple la reine des morts, The Dead Queen, ou la reine morte, je ne sais pas comment vous traduiriez ça. Voilà, vous voyez, l'illustre est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette ambiance. Ouais, le KS, toutes les illustrations étaient magnifiques. Ah oui, les illustrations sont vraiment chouettes. Là, c'est vrai que je n'ai pas le même système que... Je n'ai pas le même système que notre ami Antoine pour vous permettre de profiter de l'intérieur du bouquin, j'en suis désolé, donc c'est un peu moins intéressant graphiquement. Mais bon, vous avez par exemple les dames grises, qui sont particulièrement sinistres. Vous n'avez pas envie de les rencontrer, celles-là. D'autant plus qu'elles s'attaquent principalement aux enfants. Donc voilà, donc on trouve des monstres qui sont vraiment, vraiment très originales. Alors vous avez des horreurs, hein, des espèces de machins qui ressemblent à des chiens, mais bon, qui n'en sont bien sûr, qui n'en sont bien sûr pas. Ouais, oui, il y a de la matière à cauchemar, hein, dans ce bouquin. Bref, vraiment. Il y a des machins qui sont des monstres prédateurs. Voilà. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Je pense par exemple à lui, là, le Railroad Man, qu'on va trouver, c'est pas lui, c'est lui, voilà, qu'on va trouver en fait sur les voies ferrées, qui est particulièrement étrange, qui se balade généralement, qui est une espèce de vagabond, mais voilà, avec des, là pour le coup, des motivations, qui recherche quelque chose. Enfin, vous avez... Donc je vous en passe des meilleurs. Il y a des oiseaux dangereux, il y a un type écorché qui s'appelle Skin Tom, qui s'arrache, voilà, dont la peau repousse et il se l'arrache régulièrement. Enfin, vous avez plein de trucs. Et le machin que vous avez sur la couverture, là, l'espèce de cerf qui n'en est pas un, a un nom à coucher dehors, c'est The Thing Whose Name Sounds Like Horned Head But Is Not. Voilà. On pourrait traduire ça par la chose dont le nom ressemble à
bah, une tête de cerf, mais qui n'en est pas un, en vrai. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiance, c'est très, très... voilà, les créatures sont très originales. Hein. Voilà, alors la reine des sorcières, parce qu'il y a des sorcières, bien entendu, vous avez des gentilles magiciennes locales, mais vous avez aussi des méchantes sorcières qui ont généralement passé des pactes avec le Inner Dark. Donc voilà, et on finit avec les aventures. Donc comme je vous le disais, il y a deux scénarios prêts à jouer qui sont plutôt très sympas. Donc du coup, ça c'est très bien, une très bonne addition qu'on doit au Kickstarter d'ailleurs, parce que je crois que le bouquin était prévu, enfin voilà, c'était des stretch goals en fait, hein, donc qui ont été débloqués, donc ça a été rajouté au livre. Donc ça c'est vraiment, vraiment très très chouette. Donc une fois qu'on a terminé ces deux scénarios, alors, bien sûr, on a l'intégralité du podcast. Il faut d'ailleurs noter que très régulièrement, vous avez des citations de ce podcast qui vous mettent pas mal dans l'ambiance, en encadré dans le bouquin, donc ça marche très très bien. On finit le livre par une page de conseils de lecture, quelques films, mais surtout de la lecture. Et puis, alors ça, c'est un truc que mon petit Cook met en avant maintenant dans ses bouquins, vous avez la checklist du consentement qui est à la fin. Donc vous êtes censé distribuer à vos joueurs qui vont vous le rendre après, et vous allez venir dire toutes les choses qui vous mettent mal à l'aise. Voilà. Donc dans l'horreur par exemple, est-ce que le sang ça va, ou ça vous stresse un peu ou beaucoup, ça, vous voulez pas en voir. La mise en danger d'enfants, la possession démonique, le dismemberment, vous voyez. Donc là, c'est toute une liste comme ça d'items dans laquelle vous allez pouvoir dire aucun souci pour que ça soit mis en scène durant la partie, ou au contraire, c'est des choses qui vous gênent. Alors après, vous avez des trucs voilà, sur la romance, sur le sexe, sur la famille, des choses comme ça, sur les trucs sociaux, les cultes, la violence, l'homophobie, le kidnapping, le racisme, enfin, toutes ces choses avec lesquelles vous pouvez avoir envie de dire que ça ne vous plaît pas dans une partie de jeu de rôle. Voilà, c'est le principe de cette liste du consentement. Voilà, je crois avoir fait le tour. C'est vraiment basé sur le folklore. Alors, je ne maîtrise pas assez le folklore et les légendes des Appalaches pour répondre vraiment à cette question. J'ai l'impression que tout ce qui est Inner Dark, Green, tout ça, et les monstres sont quand même, inventés. Par contre, tout ce qui a l'air d'être recette de grand-mère et tout ça. Oui. Il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Je les passe pas. Non, mais je les relirai après. Donc, voilà, tout ce qui est folklore local avec, comme je vous le disais, la magie un petit peu familiale, quoi. Hein. Ça a l'air assez bien ancré dans le folklore de l'endroit, quoi. Donc, pour conclure sur ce Old Gods of Appalachia. Alors moi, j'aime énormément l'univers, je trouve que c'est vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire la description très touffue donc, des différents états, des différentes villes, de tous les PNJ, de tout ce qui tourne autour, des idées de scénario. Il y en a dans la partie univers, il y en a 5-6 par page. Hein. Il y a pour chacun des endroits, vous avez carrément des hooks, on appelle ça des accroches de scénar. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Après, est-ce que c'était le meilleur système de jeu pour m'autoriser ça? Je sais pas. Moi, le Cypher, je l'aime beaucoup, malgré sa complexité, parce qu'il y a plein de trucs dedans dont je suis très client, le fait de designer les persos en choisissant ces fameux noms... les qualificatifs, l'adjectif, le métier, sa particularité, ça, je trouve ça très très sympa. L'attrition des trois caractéristiques avec en plus tout ce qu'il y a autour de l'effort, etc. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Ça marche bien en jeu. Hein. Moi, je l'ai testé à l'époque de Numenera et ça marche vraiment vraiment pas mal. Maintenant, là, on a un tout petit peu l'impression que ça rentre au forceps. Alors, effectivement, la notion de cipher, bon. C'est cette notion de petits objets magiques, etc. Pourquoi pas, ça passe, quoi. Mais il y a des moments où je trouve que le perso commence, dès qu'il monte en niveau, hein, les fameux 6 niveaux, là, il commence à ressembler à un arbre de Noël tellement il a de ramifications, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il a obtenu ce pouvoir-là, il a cette petite truc-là, il a 5 cyphers ici, il a... Ça devient dur à gérer, quoi. Donc, je sais pas, je trouve que ça marche,
je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, si je devais jouer à Gods of Appalachia, je pense que je ferais quand même une grosse, grosse passe de nettoyage, en tout cas de simplification. Je garderais les ciphers parce que vraiment, il y a du background dedans. C'est-à-dire que voilà, on vous explique en quoi ces objets sont rituels dans la région, etc. etc. Mais alors, ouais, je pense que surtout dans les capacités spéciales des persos qui amènent des pouillèmes de vous avez un plus 1 là, un plus 2 là, mais un moins 1 ici. Ça, je ferais peut-être l'impasse dessus. Voilà. Donc, c'est mon bémol sur ce jeu que je recommande. Néanmoins, y a-t-il une VF de prévu ? Eh bien, j'en ai aucune idée. J'en ai pas entendu parler du tout. Moi non plus. Voilà. Donc, moi, c'est un bouquin que j'adorerais traduire, mais le problème, c'est que c'est 400 pages couleur. C'est cher, hein, $70, encore une fois, en VO. Ouais. Ouais. Donc, Puis The Strange a fait un four. Hein. Et The Strange a fait un four. Oui. Alors qu'il est très bon, mais bon. Et puis Numenera, je ne suis pas sûr que ça ait tant marché que ça. Hein. On trouvait à un moment la gamme à 50%, je crois, chez Blanc. Oui, ils l'ont bradé longtemps. Ouais, ils ont mis un peu de temps à vider les stocks, d'après ce que j'imagine. Mm. Donc, est-ce qu'eux sont sur les rangs ? Je ne sais pas. En tout cas. Moi, mon petit coup, j'aime bien ce qu'il fait. Je vous avais déjà parlé de Invisible Sun, là, l'énorme boîte noire qui trône dans mon bureau, là, qui est une merveille absolue. Alors là aussi, c'est impossible à traduire ce truc, tellement il y en a dans tous les sens, parce que là, il y a du gadget et du goodies à non plus finir. Mais moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. C'est à chaque fois des propositions clairement intéressante. Numenera, dans son domaine, était très chouette. Mmh. Toute la partie univers parallèle de The Strange marchait très très bien. The All Gods a aussi une saveur très particulière. Invisible Sun est une merveille, à mon humble avis. Donc, je suis vraiment très client et j'ai l'impression qu'en France, ça prend pas trop. Quoi. Alors, peut-être parce que les bouquins sont chers, c'est vrai. C'est des bouquins onéreux. Le Invisible Sun, c'était 200-250 balles, la boîte, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, voilà. Après, bon, The Strange et Numenera, eux, étaient dans les standards, on va dire. J'ai pas l'impression qu'ils étaient plus chers que la moyenne, quoi. Donc, c'est peut-être pas l'argument. Parce que c'est des univers qui sont suffisamment originaux pour du coup entrer un petit peu dans une zone de niche où tout le monde n'aura pas envie d'aller. Peut-être que c'est l'explication. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura une VF de ce jeu. À ce jour, on n'a pas d'info. Ouais, ça risque d'être compliqué. Et puis, de toute façon, moi, je fais du lobbying pour d'abord Casting the Runes en jeu fantastique. Pas déconner non plus. Il fallait que je le place, hein, début d'année. Oui, ouais, ouais, Maroc, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà pour ce Old Gods of Appalachia. Eh bien, merci beaucoup pour ce gros retour sur ce très gros monument. Ouais. C'est long à lire. Hein. Qui a fait beaucoup de bruit sur Kickstarter, hein, c'est le cas de le dire. En même temps, quand Monte Cook sort un financement... Ouais. Deux, un temps d'entendre parler, et puis les chiffres en général, c'est waouh! Ah oui, oui, ils avaient fait un carton plein, hein, je crois, sur ce jeu. Hein. On ne se rend pas compte chez nous, en France, hein, si vous avez jamais entendu parler des financements Monte Cook, mais aux États-Unis, c'est un truc de zinzin. Hein. Ils ont levé 2 millions de dollars, hein, sur ce jeu. Ça va. On peut se payer des belles illus. Voilà. Donc il y a des belles. Enfin, ils avaient quand même investi avant parce qu'on ne l'a pas attendu si longtemps. Hein. Oui. Donc, mais oui, ils les sortent assez rapidement, hein, Monte Cook. Ouais, ouais. Donc, ils avaient méchamment investi dedans. Quoi. Ouais, oui, effectivement, Olive dit que la gamme The Strange est bradée encore, toujours sur Blu-ray. Ben voilà. Pour 60 balles, t'as la totale. Quoi. Oui, et allez-y, parce que c'est un super jeu. Ouais, c'est un excellent jeu, effectivement. Donc, ils ont levé ça. Maintenant, il faut savoir que si vous vouliez l'intégrale avec tous les goodies, il y en avait pour $200. Hein. Ouais, c'était 200 et les frais de port, ils étaient à se taper la tête. Ah oui. Alors les frais de port, c'est gênant, mais après, oui, au vu de la quantité de matos, $200, c'est pas déconnant du tout quand on compare à certaines choses qui sortent en ce moment. Oui. Non, mais après, voilà, est-ce que c'est des choses dont tu as besoin ? Enfin, tu vois, typiquement, la boîte en métal et la piste à dés, tu vois. Mais on est sur des produits. Moins d'être un complétiste absolu, tu vois. C'est ça. Après, Monte Cook, ça a toujours été des produits un petit peu. C'est toujours plus beau, toujours plus. Oui, regarde, Invisible Sun, c'est le summum. Ah bah, c'est clair. c'est quelque chose qu'aucun éditeur sain d'esprit ne ferait. Eux, ils ont dit,
Banco, c'est le produit de base. C'est ça. Et ça a super marché, hein, d'ailleurs, pour le coup. Et ça, voilà, et c'est légendaire. Ils l'ont réimprimé récemment. Hein. Ils l'ont, oui, ils l'ont alors utilisé, le prix, hein, par le contre, il a été quasiment doublé, hein, le prix avec la réédition. Hein. Ouais, donc, j'avais raté la première, j'ai fait, allez, il faut négocier avec madame, mais là... Oula, j'en ai pour 2 ans de lobbying pour réussir à justifier ça. Ça va faire beaucoup de massages et de resto. Hein. Je dis ça. Je crois qu'il est à quasiment 400 maintenant le cube. Hein. Ah ouais. Oh. Ouais ouais. Il a doublé effectivement. Hein, parce et j'ai pas compté le frais de port. Quelque chose quoi. Ah ouais. Oui, mais fiche. Mais en tout cas voilà, ça confirme tout le bien qu'on en pensait quand le carnet est arrivé quoi. Oui. Hop, on va basculer gentiment sur la dernière partie. L'actu de la semaine, on va être très calme, hein. Très, très cool. D'ailleurs, il faut que je recharge le fichier parce qu'il n'est pas ouvert. C'est super, on est comme ça. Hein. Ah oui. Alors, hop, c'est là-dedans. Alors, prêt à partager, c'est parti. Voilà, prêt à partager le lien, le clic, il est prêt à partir. C'est beau, il faut juste que j'ouvre le fichier actuel. Les festivals, les salons, etc. Tout ce que vous aimez pour vous balader le week-end et puis profiter, craquer, et puis surtout profiter, c'est le plus important. Les petites sorties, ça fait toujours du bien. Alors en littérature, c'est pas encore totalement reparti, hein, ce qui est normal. Hein. Décembre, janvier, c'est les mois qui sont un peu, voilà, on souffle, on prépare la nouvelle saison des festivals et salons qui arrive, qui va commencer dès février, vraiment, vraiment au taquet. Mais sinon, voilà, janvier, c'est très calme. Donc pour l'instant, il n'y en a pas vraiment annoncé. Par contre, en ludique, vous allez avoir les 24 heures du jeu à Saint-Quentin, dans l'Yonne, dans le 89, avec l'association Sens Ludique et Odyssée de l'Imaginaire. Donc, c'est du samedi 15h jusqu'au dimanche dans l'après-midi. Donc, c'est avec la nuit et tout, hein, total. Donc, du jeu de société, avec, je crois, il y a plus de 200 jeux qui sont proposés en démo. Du jeu de rôle, du jeu de figurines, l'espace enfant. C'est toujours bien, les festivals qui prévoient les espaces enfants. C'est pas tout ce qu'ils le font, et quand c'est prévu, bah, c'est quand même bien cool, comme ça papa et maman peuvent aller s'amuser à d'autres jeux à côté, hein, en loose day. Voilà. Donc super initiative. Je vais voir si j'ai pas la petite affiche qui va bien. Normalement, je les avais toutes mises. Et elle est ici, que voici, que voilà, avec une tombola en plus. C'est pas magnifique. Entrée payante quand même, j'allais dire 5€ pour les 2 jours et la nuit complète, ça va, quoi. Hein. Pas chipoter non plus. Donc, très chouette initiative dans l'Yonne. Voilà pour les festivals. Dans les financements participatifs, j'en ai mis quelques-uns parce que ça redémarre tout doucement. Puis, comme d'habitude, vous savez que nous, on veut le tri, hein, sur Kickstarter surtout. Donc, sur Kickstarter, j'en ai trouvé deux qui sortent un peu du lot du gros caca traditionnel de Kickstarter, hein, entre les fichiers STL, rien à foutre, et puis les donjons mid-journée, mes couilles, voilà, ça, il y en a toujours plein. Voilà, ça déborde, hein, comme d'habitude. J'aime beaucoup cette expression. Oh oui, mais j'en ai plein. Crois-moi, j'en ai toujours plein. Comme ça, toujours avec une certaine verve, on va dire. Donc, voilà. Plus sérieusement, je vous ai trouvé, premièrement, The Tomb of a Thousand Doors. C'est par Matthew Morris, mais pas que. Hein. C'est une espèce de gros méga donjon pour Mouse Ritter. Vous savez, cet excellent jeu où vous jouez des petits rongeurs univers médiéval fantastique et tout. Super cool. Et en fait, ça vient de la communauté de Mouse Ritter qui a pondu une espèce de méga donjon, carrément. D'accord. Voilà. Donc, je vais essayer de te retrouver la petite affiche qui va bien parce que franchement, ça donne envie. Regarde-moi ça. Voilà. Si ça donne pas envie. Un méga donjon pour Mouse Ritter. Pourquoi pas. Le PDF est pas si excessif. Hein. Vous verrez les prix. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, je me suis dit que les jeux de super-héros, ma foi, pourquoi pas. Donc on va attaquer avec Evolved, The Super-Heroic Time Travel Role-Playing Game Powered by DCC RPG. Donc si vous voulez jouer du super-héros où ils s'en prennent plein la tronche vu le système de Dungeon Crawl classique, je pense que ce jeu est fait pour vous. Avec du voyage dans le temps, mais c'est génial! Exactement. Et alors, je te jure que toute l'iconographie, elle est aux oignons. Le nombre de références déjà sur cette couverture. Ouais, il n'y a pas du tout des sentinelles derrière, là. Absolument pas. Espèce de sentinelle Galactus. Il y a un Silver Surfer qui se balade. Enfin, bon, bref, il y a un petit peu de tout. Un peu l'auberge espagnole des super-héros. Mais ceci dit, ouais, ça a l'air super cool. Et c'est Blood Games qui édite ça. Enfin, qui veut éditer ça. Donc, c'est en financement en ce moment. Donc, et pareil, vu que c'est du voyage dans le temps, on peut mettre des dinosaures. Tu peux tout mettre. Est-ce que vous voulez pas un raptor qui vole face à des sentinelles, franchement.
Mais voilà. Donc les deux petits Kickstarter qui, je trouve, surnagent au milieu de cet océan de médiocrité qui est Kickstarter par moment, c'est-à-dire en fait tout le temps. Mais après, voilà. Bah, sincèrement. Oui, non, on est d'accord que régulièrement, on fait aussi le tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Ouais. Et bah, depuis un an et demi, deux ans maintenant, Kickstarter, bah, faut scroller méchamment pour trouver une perle. Avant, c'était les trois premiers résultats, c'était des bangers absolus, et maintenant, c'est en mode Midjourney, Midjourney, figurine, c'est figurine ça. Avec une boîte illustrée par Midjourney, ouais, c'est bon, laisse tomber. Ouais, et beaucoup de trucs en cinquième édition qui n'ont plus trop d'intérêt parce que ça a déjà été vu et revu auparavant. Tu vois, des auberges, des machins comme ça. Si, j'ai vu un truc, il y avait une anomalie, je ne l'ai pas retrouvé, mais il y avait des gens qui faisaient des scénarios, pour, des modules pour Mothership, mais pour les adapter à D&D 5. C'est qui ces gens que je les dénonce? Je veux dire, comment? Pourquoi? Comment tu peux te dire, allez, c'est parfait. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Ah oui, non, ça ne va pas. C'est pas possible. Il faut dénoncer ces gens et les bannir, à tout jamais. Voilà. Donc voilà, les deux petits Kickstarter qui, écoute, ça change un petit peu, puis les super-héros, on n'en voit pas tout le temps, donc c'est toujours un peu plaisir. Pas assez à mon goût. Voilà, ça c'est pour les Kickstarter. Sur Game On, ça va redémarrer, vous inquiétez pas. Les annonces, ça y est, ça commence à remplir le backlog de Game On, de ce qui va arriver en financement. Mais là, en ce moment, on est plein pot sur Torg, chez Black Book Edition, la cyberpapotée. Donc c'est actuellement en financement, ça a commencé hier et c'est valable donc, comme d'habitude chez Black Book, enfin comme d'habitude, ça dépend des financements, mais celui-là c'est 7 jours. Alors, pas mal de choses sur Torg, déjà bon, faut aimer le jeu, hein, clairement, bon, moi ça n'a jamais été ma cam, mais ça c'est des goûts personnels qui n'ont rien à voir avec la qualité du dit jeu, c'est vraiment plus le type d'univers qui moi me correspond pas. Donc ça, je le dis tout de suite. Donc pour ceux à qui ça plaît, donc cet univers un peu foutraque, qui mélange plein de réalités alternatives sur notre Terre, qui se mélangent les unes aux autres. Donc vous avez donc la cyberpapotée, qui est l'équivalent de la France, hein, pour faire simple. Hein. France, un petit peu Italie, je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le gros cosme qui manquait. Donc il y en a 7 en tout, on en discutait un petit peu en off avant de commencer l'émission. Donc il y en a déjà 3, ça c'est le 4e. Vous aurez dans le pack qui est compris une campagne, un recueil de scénarios, un écran, un deck de cartes, une boîte. Et tout ça, mesdames et messieurs, pour 180€, on ne démarre pas en dessous. C'est ça ou rien. Et ça fait mal. Et waouh. ça pique. Pour ceux qui voudraient que le... Tu vois, qui voudraient juste le setting avec le paquet de cartes, bah vous attendrez le préco bundle, quoi. Alors, oui. Et on rappelle, attention, que c'est pas trouvable en boutique. Torg. Et oui. Le livre de base, oui. Mais pas, si votre boutique n'a pas pledgé, exactement, elle n'y a pas accès. Parce que ça fait partie des gammes que BBE a. Oui, c'est les gammes restreintes. Exactement, comme l'œil noir, comme The Strange, comme The Expense maintenant aussi. Qu'est-ce qu'il y avait encore du Minera? Enfin voilà, il y a pas mal de gammes qui ont été laissées de. On va dire laissées de côté, hein, mais ils continuent quand même. Tu as L'Ombre des Seigneurs des Bons, par exemple, qui va arriver en financement dans pas longtemps. Donc voilà, c'est des gammes qui ne sont pas assez rentables pour Black Book, donc du coup, c'est que en financement. Alors. D'accord, mais une fois que c'est financé, ça se retrouve en boutique quand même, non? Sur la boutique Black Book. D'accord. Boutique Black Book, voilà. Ah ouais. Impossible. Je n'avais pas capté. Je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, pour les deux premiers, pour les premiers les deux financements précédents, donc Terre du Nil et La Terre Vivante, si ta boutique ne pledge pas, elle ne pouvait pas le commander. Exactement. C'était pas trouvable chez qui ça déjà? Bref, chez le fournisseur classique. Ça fait un peu mal quand tu veux tout, quoi. On me demandait combien ça coûte au total. Bah, 180 plus 180 plus 180 plus tout ce que tu as lâché pour le livre de base. Ça fait bobo. Donc, ça, 180 balles pour ce pledge, tu rajoutes les frais de port, t'es quasiment à 200€. Sachant qu'en plus, après, avec le financement qui fonctionne quand même un peu, parce que le panier de base, vous comprenez bien qu'il est très, très élevé. Donc, forcément, ça débloque le droit d'acheter d'autres suppléments. Bon, c'est un peu le fonctionnement Black Book. Autant dire que ça frictionne sévère, parce que déjà, le ticket d'entrée, c'est juste nimp, on va le dire, hein, clairement. Et surtout, je comprends pourquoi certains fans ruent un peu dans les brancards. Moi, je peux comprendre, hein, parce que je regarde ça de loin, parce que c'est pas ma cam, mais donc ça me permet d'avoir un peu de recul là-dessus. Mais c'est vrai que Black Book
mais aussi une espèce, pas d'épée de Damoclès, mais en disant aux fans, voilà, vous voulez la suite de la gamme, ok, pour nous c'est pas rentable, on veut bien le faire, mais il faut que ce financement-là fasse 60 000 euros. On peut te dire que ça fait mal, sachant qu'il les a jamais atteints pour les autres, donc ouais, ça va être chaud patate, quoi. Donc, ça va vite s'arrêter comme gamme. Ouais, donc c'est pour ça, c'est pas une cartouche, mais... Après, je suis pas interne à Black Book, mais ça sent un peu l'abandon en race campagne, quoi, hein, clairement. Hein. Enfin, tu balances 180 balles pour, c'est quoi, 3 bouquins, un écran, une boîte, quoi. Au secours, quoi. C'est moche. Donc, ouais, voilà. Après, voilà, c'est une trad, hein, ils ont pas le choix, ils peuvent pas se dire, tiens, on sort que la moitié des produits. Et puis Torg, c'est la niche de la niche, quoi. Voilà, si tu... Ouais, alors Torg, ouais, j'imagine qu'il y a des fans. Il y a des fans. Zediac, je pense à toi. Mais voilà, tu vois, tu dois avoir quoi, 400, 500 personnes, quoi. À peu près. Hein. Tu fais 300 dans la préco, puis tu comptes 200, entre 100 et 200 derrière, pas plus. Et encore. Mais ouais, clairement, c'est chaud, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est en financement. Si ça vous tente. Oups, pardon, excusez-moi, gros coup de barre aujourd'hui. Je suis en train de bâiller et tout, alors que c'est passionnant ce que je raconte. Ou pas. En tout cas, c'est le financement qui est en cours chez GameOn. Si vous allez sur la rubrique à venir, bah, je vais pas en parler plus que ça, parce qu'on va discuter des financements au fur et à mesure des semaines. Hein. Mais en gros, la semaine prochaine, bah, vous aurez Assassin's Creed chez Arkane. Donc on rappelle que... Encore une fois. Voilà, avec... Pardon, mais excuse-moi, mais... Ah oui, annoncé 7 jours avant seulement qu'Assassin's Creed, peut-être l'un des plus gros succès potentiels de l'année. Voilà, oui, on te répondra que ça avait déjà été dit il y a 6 mois en arrière. Oui, bon, que tout le monde a oublié parce que Avatar est passé par là. C'est ça, exactement. Donc, voilà, c'est n'importe quoi. Pardon, ça m'énerve parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup à titre perso. Et là, bah, vu qu'il a été annoncé au schnapps, bah, j'ai pas le budget. Bah, voilà. Ouais. Non, c'est à la limite du lamentable, moi je dirais, parce que prévoir 8 jours comme ça, c'est... on sait qu'il allait arriver, attention, il n'y a pas de souci. Oui, mais une date, une information, n'importe quoi, s'il vous plaît, les gens, c'est pas compliqué d'en parler. Au moins, Avatar, il y a une com, un let's play, quelque chose, mais là... Oui, oui, il y a eu un frémissement de communication, ce qui n'est pas souvent le cas, mais effectivement... Il y a eu quelque chose, là, rien. Nada, là, ça, c'est carton rouge pour moi. Et ce qui m'emmerde, parce que le jeu, il a un potentiel énorme. Bah oui, carrément. Puis en plus, c'est la Bible de Assassin's Creed, hein, Kibi. Bon. Voilà. Donc, c'est... Ah oui, bon, on parle de plein de trucs. Ah oui, donc... Ah oui, non, tu réponds, tu demandes à Chamel. D'accord, pas de soucis. On mélange tout. Ah. C'est pas grave. Voilà. Par contre, oui, on en parle là, on l'avait pas mis dans le fichier, mais il y a un autre... Tiens, voilà, ça, c'était Torg, j'avais oublié de le montrer. Voilà, le fameux pack de démarrage. Ah, il y a du matos, hein, attention, hein. On va pas vous dire qu'il y a rien. Hein. Non, mais... Mais 180 boules, faut les lâcher. Hein. Même quand on est fan, ça pique. Ça vaut ces 180 euros, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Mais par contre, encore une fois, tu n'as pas d'offre PDF. Non. Tout bête, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer ça, les gars, pour 60 balles, vous faites une offre full PDF, bah oui, il y en a qui vont le prendre. Et ça fera monter la cagnotte. Hein. Et oui. Voilà. Bon. J'ai vu aussi, surtout, après, dans les projets qui m'intéressent le plus, tu as le Cthulhuac V2 qui va arriver avec enfin le bouquin cartonné, a priori, plus une campagne. Donc, ça j'attends ça chez les Doux-Singes avec moult impatience. Parce que les Doux-Singes, au moins, tu vois, c'est calibré, tu sais exactement quand ça va arriver. Donc, ça c'est cool. Black Book, pareil. On sait que tu as du Pathfinder, on sait que tu as Dies Irae, etc. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Même une suite pour l'Elite qui a été annoncée. Hein. Ouais, oui, ouais. Je viens de voir ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Puisque ce sera une campagne d'Alexis Flamand et un guide des régions qui tournent autour de l'ID. Ouais, super, c'est ça. Je suis bon, bah, cool, quoi. Ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est calé, quoi. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui essaient d'être pros et d'autres moins. On dit ça. Mais c'est un métier, hein. C'est un métier, effectivement. ensuite, dans les financements, pareil, qui vont piquer, qui vont faire très très mal, on va sur Ulule. Et on va parler d'une œuvre monumentale de la fantasy française, à savoir les récits du Vieux Royaume de Jean-Philippe Jaworski. Donc, Gagner la guerre, Genuavera, Le sentiment du fer, etc. Tout ce qui va bien. Illustré en édition de luxe, cartonné, tout. Franchement, c'est magnifique. Mais alors, les prix, on voit qu'on est sur d'édition collector, parce que si vous voulez juste les deux bouquins qui regroupent l'intégrale, avec les illustrations, dédicaces, la carte carrément de la ville, hein. Quand même la classe, hein.
si on est un peu rôliste, beaucoup, on rappelle que Jean-Philippe Jaworski est un rôliste, et bien c'est quand même 100 balles. Voilà. 50 euros le bouquin. Donc j'étais chaud, hein. Franchement, j'étais chaud pour participer. Parce que j'ai que gagné la guerre en folio, si tu veux. Mais là, ouais, non. Ouais, mais on est sur la... On est sur du truc de collectionneur. Il y a ça, oui. Et puis on est clairement sur le trend du moment. C'est-à-dire que le bouquin, c'est 50 balles. Donc, si tu veux, quand tu commences à aller vers un truc où il y a deux livres, un écran, un machin, bah, t'es vite à 120, 130, 150. C'est vraiment, ça devient le ticket d'entrée. Alors, il y a plein de raisons pour ça. On en a déjà parlé. Oui. Mais... clairement, on va vers ça, quoi, de plus en plus. Hein. Ouais, puis t'as une mode de fond aussi depuis un an, deux ans, pour des bouquins de luxe. Cartonnés, jaspage, limite, ils te peignent, alors, je sais plus comment ça s'appelle, peindre la tranche. Ouais, je sais plus, c'est un nom, hein, vous m'excusez, je ne connais pas tous les termes techniques non plus, mais on peint carrément les tranches, c'est encore plus joli. Bah, c'est ce qu'on voyait sur Le Seigneur des Anneaux, là, le dernier qui est sorti en version de luxe. Donc voilà, t'as vraiment un truc de fond pour proposer à la fois une lecture, bah, je veux dire, gagner la guerre, c'est rentabilisé déjà depuis très longtemps, c'est quand même le gros mastodonte chez les moutons électriques. Je rappelle que voilà, on avait fait une interview d'André-François Ruault, on avait un peu discuté, hein, un des boss des moutons, et voilà, on sent qu'on ressort quelque chose pour faire plaisir à des fans. Ça va, c'est pas le truc qui va se vendre à des millions d'exemplaires, hein, on est clair, mais si vous voulez un bel objet avec surtout des romans formidables. Quand même, le plus important, c'est que c'est une superbe lecture qui change vraiment en termes de fantasy, en plus francophone. Pas souvent qu'on a des trucs de cette qualité. Il a fallu que j'attende Miska, tu vois, que j'avais adoré. Je vous en ai déjà parlé d'Eva Martin. Donc voilà, Gagner la guerre et Janua Vera, édition de luxe, c'est en cours sur Ulule. Allez-y, si le cœur vous en dit. Malheureusement, moi, j'ai pas les finances pour ça, mais si je les avais eues, je t'avoue que j'aurais craqué complet direct. C'était prévu, mais là, ça fait un peu bobo. Voilà. Moi, j'avais mal compris. J'ai compris que c'était un jeu de rôle tiré de... Mais non, c'est une réédition des romans. Non, c'est une réédition. Réédition des romans. Tout à fait. D'accord, pardon. Eh oui. Eh oui. Jeu de rôle, écoute, si tu veux, on essaiera d'inviter Jean-Philippe Jaworski. On va bien le travailler au corps pour qu'il pende un jeu de rôle. Je pense que ça le travaille depuis quelques temps. J'en avais un peu discuté en off avec lui aux Imaginales. Mais, oh, bah, ça ferait plaisir. Hein. Mais il est très occupé, le monsieur. On va dire ça comme ça. Oui. Mais oui, ça lui plairait bien. Ouais. Voilà. Bah, un jeu dont tu as oublié de parler, on l'a pas mis dans la liste, mais vous êtes plusieurs à en avoir parlé, qui est sur Ulule aussi, c'est Inferno. Ah, studio Agathe. Exact. Ah oui, il a commencé, oui. Ah mince, je l'ai raté. Ah oh, bah ça alors. Je vous mets le lien. Donc, encore une fois, on parlait de projets chers. On est sur quelque chose d'assez bastoc, là. Hein. Donc, inspiré de l'enfer de Dante, ouais. Avec des visuels qui sont splendides, et c'est l'équipe qui est derrière Brancalonia. C'est ça, c'est les Italiens. Ouais. Les Italiens, alors, ils tapent fort. Je ne suis pas fan des jeux sous DD5, mais leur proposition à eux, quand même, ça tape assez juste. Hein. Mais il y a un pack, voilà, le pack complet. Après, on n'est pas obligé de prendre tout le pack. Il y a un poney, le diptyque, qui est déjà cher. Ouais. Mais ça va. Hein, vous avez un diptyque à 80 balles. Ouais. 80 balles, ça, et pour un diptyque, ça, encore honnêtement, ça va. Par contre, si vous voulez... Et 190. Et on parle pas des collectors. Parce qu'on est chez Agathe et qu'il y a toujours la version collector rouge et dragon rouge et grand vert. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Ça a commencé, ils sont quasiment à 38 000, il y a 220 contributeurs. Encore une fois, au vu du pledge moyen, ça monte très vite. Hein. C'est Akira, ouais, c'est ça. C'est beau. C'est superbe. Franchement, les visuels, moi, ils me vendent du rêve. Ouais, c'était. Bah déjà, c'était pareil, il était sorti sur Kickstarter. J'étais persuadé que ça sortait demain et qu'on en parlerait la semaine prochaine, tu vois. Donc, bon, bah, autant pour moi. Non, en fait, je vois que. Moi aussi, j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, dans les dates. Puis je vois qu'il y en a plusieurs qui commencent à en parler dans le chat. Je me dis, oula. Vite en mode, on va regarder. Ah oui, quand même. Oui, les Chabahel, tout à fait. Les règles pour Inferno sont. Les Italiens font des efforts pour adapter les règles de la 5e, adapter leurs univers. Comme ça avait été fait sur Brancalonia, par exemple. Bon, c'est pas Akiron Games, hein, mais il y a des efforts là-dessus pour pas que ce soit un simple copier-coller du SRD, comme bah, malheureusement, tu avais parlé d'Hellboy, Dark Souls, des mauvais exemples, quoi. Hein, où, ce genre d'univers où c'est un peu feignant, quoi. Il y a des vrais efforts, effectivement, qui ont été faits. Voilà.
Donc ouais, c'est super beau. Déjà à l'époque, je crois que c'était il y a 2 ans hein, en financement. À peu près. Ouais. Et déjà à l'époque, quand c'était en financement, on était là, waouh, purée, c'est trop beau. Bon, moi, le thème ne me parle pas du tout. J'ai pas trop envie de me déprimer plus que ça avec les enfers. Ça va, merci. Oh, il y a des illus. Oh là là. Ouais, ça a tombé. Franchement, hein. C'est... Je crois que c'est franchement l'un des plus beaux bouquins que j'ai vu ces dernières années. En termes d'illustration, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Ouais. Mais bon, les jeux que tu achètes que pour des illustrations, généralement, je suis toujours un peu déçu, moi. Mais ça, c'est personnel. Hein. Donc, Oui, bon, après, c'est un thème que j'aime bien aussi. Mais ouais, mais voilà. En fait, chaque illus, tu peux en faire un tableau chez toi. Si tu aimes cette ambiance-là, attention. Bien sûr. Mais pas ça dans ton salon, ça pourra peut-être mettre tes invités un peu mal à l'aise. Donc, plus que le pentacle au milieu de la table. Il y en est bon. Pour recevoir. Voilà. Donc voilà, pour les financements, est-ce que j'en ai raté ? Non, 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 c'est bon. Dans les actus, bon ben voilà, c'est fait. Moi, j'avais plutôt envie de parler des indés. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses qui sont sorties ou qui vont sortir. La première chose, c'est chez Studio Absinthe. Oui. Des fois, on joue. Ça nous arrive. Oui, ça. Oh, jouer, oh là, comme si on avait le temps. Ouais. Alors, premier de la liste, c'est chez Studio Absinthe alias Calran. Je t'en avais parlé. J'ai oublié d'en parler, je l'ai pris aussi. Monster voilà, Bear Quad. Voilà. PDF en où on paye what you want. C'est quand même assez incroyable parce que c'est quand même une trad. Hein. Et oui. C'est un beau bébé. Hein. Donc, c'est un peu univers Pokémon, mais c'est les monstres que vous jouez. Pas les dresseurs. En gros. Enfin, simple. Si vraiment je synthétise un peu le pitch de base de ce jeu. Donc, c'est super intéressant. Pareil, c'était un Kickstarter que j'avais vu passer il y a 2 ans et demi, je crois, à peu près. Donc, c'est dispo sur la page de Kellren, vous avez les liens. Et ça a l'air vraiment très, très cool. Donc, bah, écoute, Antoine, t'en parleras, je pense. Voilà, le temps que je lis, comme vous avez vu, il y a déjà beaucoup de choses dont il faut parler. Je suis pas... Voilà. Tu m'étonnes. Mais j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'ai juste feuilleté. Et là, il y a matière à vraiment en faire une belle description de ce bouquin-là. Ensuite, après, on a Gulix. Donc ça, je vous en ferai une chronique. Peut-être pas en live, mais peut-être en chronique. C'est Public Access. J'en ai déjà parlé qu'il allait le proposer. Donc là, ça y est, c'est sorti officiellement sur Drive4 RPG, le PDF. Donc Public Access, je vous rappelle que c'est un jeu de The Gauntlet, qui est le collectif d'auteurs dont fait partie Jason Cordova, qui est l'auteur de Brindlewood Bay. Hein, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, et ça utilise un peu le même moteur, sauf que là, vous allez jouer un groupe de jeunes à Deep Lake, et vous allez enquêter en 2004 sur des mystères de la région, au Nouveau-Mexique, hein, et dans les années 80-90. Ça tourne autour en fait d'une chaîne de télé communautaire, et il y a des choses pas très claires qui s'y passent, des secrets à découvrir, pas très sympathique, avec beaucoup de fantastique et d'horreur. Donc ça a l'air vraiment, vraiment passionnant. Le système de Brindlewood Bay, ben moi, je l'adore. Donc, c'est, voilà, beau truc. Et c'est donc Gulix, et c'est dispo depuis 2-3 jours, je crois, pas plus, quelque chose comme ça. Et c'est déjà bien classé dans les PDF francophones. Je crois deuxième ou troisième vente. C'est quand même très, très cool. Et enfin, toujours en indé, hein, je mets toujours plein de gimmicks quand je dis ça, ça vient de sortir, c'est Melville, un auteur que j'adore, Bois dormant, etc. Et là, c'est aventurière du terrain vague. Donc, c'est un petit jeu format pamphlet, donc c'est le A4 plié en 3, avec des petites têtes de jeu, donc c'est pour 1€, hein, tu vois, donc tu donnes ce que tu as envie, quoi. Donc un petit pamphlet avec des petites parties, des petits scénarios. En gros, tu joues dans une espèce de petit terrain vague, bac à sable, etc. Où tu vas découvrir ce terrain vague magique, avec des rongeurs multicolores, des robots, des chats de gouttière, etc. Peut-être des fantômes. En fait, ton but, c'est de passer la barrière et passer de l'autre côté du terrain vague. Voilà, des petites aventures à taille d'enfant, on va dire. Donc, qui a l'air vraiment, vraiment très cool. Donc, pareil, je pense que je prendrai le petit truc à 1€ pour voir un peu ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup l'univers que dépeint Melville dans ses jeux. C'est très, très poétique, je trouve. Donc, voilà les productions indé. Et c'est tout pour les actus, c'est déjà pas mal. Il y a juste le programme de la semaine. Alors, je sais pas si tu vas streamer, toi, Antoine, cette semaine. Pas demain, déjà pris, mais peut-être vendredi. J'en reparlerai, vous inquiétez pas. Ok. Voilà, et moi, comme je vous disais, donc dimanche, ce sera les JRPG à 17h en live. Et avec un compère en plus, il y aura KFR de Die Story qui viendra faire le coucouille avec moi pour parler JRPG.
C'est un gros fan de Final Fantasy, ah ben oui. Lui aussi. Je pense qu'il est un peu tombé Red Gaga de Fabula Ultima, donc ce sera un peu l'occasion de le petit plaisir avec Jordan Boget. Donc voilà, ce sera la... C'est oui, cool. Comme, effectivement, comme Martin a sorti un jeu de rôle solo, j'en parlerai sur un petit focus la semaine prochaine. Voilà. Il y a pas mal de petites choses qui sortent effectivement en production indé. C'est toujours très cool, on va essayer d'en parler peut-être un peu plus que ce qu'on faisait ces derniers temps. Mais toujours pareil, en fonction de nos dispos, quoi. Hein. Jamais très oui, voilà. Vous avez vu que dimanche, on n'a pas pu faire le live avec Henri Lovenbruck. Alors, c'est pas nous qui avons des soucis, hein. Pas de problème de ce côté-là. C'est plutôt du côté d'Henri où il y avait des soucis personnels. Donc, c'est reporté, on refixe la date. C'est pas un drame. Et c'est que partie remise. Après, il m'envoyait des petits MP en me disant qu'on était un petit peu maudits. Oui, parce que ça fait depuis les imaginales qu'on se court derrière. On s'est vu deux ou trois fois en festival. Plus à discuter en MP et tout, donc ça fait un petit moment en fait qu'on devait faire l'interview. Mais écoute, ça se fera quand ça se fera, et puis c'est tout, c'est pas... Il n'y a pas de problème, la santé d'abord, hein, c'est le plus important. Pour Lovenbruck, écoute, je sais pas, on verra selon ses dispos, parce que en janvier, normalement, si tout va bien, on va essayer de caler quand même Traveler avec Nemos, faut qu'on voit un petit peu exactement quand, et sous quelle forme. Et écoute, on verra avec Henri, si c'est un jeudi ou un dimanche, on verra ça. On recalera, de toute façon, on vous préviendra. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'essaie d'être assez concis. Parfait. Voilà, messieurs. Ah bah oui. Très bien. Impeccable. Bon, eh bien, au programme, une belle reprise de l'année pour cette année. Hein, on a tapé bien fort là. Déjà une demi-heure de craquage, je veux dire, quand tu as tous les SP, ce ne sera pas toutes les semaines. Hein, heureusement. Bah oui, déjà, sinon le banquier ne va pas être content, et les étagères non plus. Ah oui. Claire. C'est sûr. Là, déjà, tout ce qu'on a... Moi, je ne sais pas où ça va. Hein. Je ne sais pas où ça va ranger. Bon, il y a un peu de place. Il y a quelques emplacements ici et là, mais quand même. Allez, tiens, on va montrer l'envers du décor. Alors, voilà les derniers rangements. Attention. Voilà. Ça va ? Voilà. C'est moins bien rangé chez moi. Je ne vous montrerai pas. Voilà. Pareil. Il n'y a plus de place sur les étagères, il n'y a plus de place en dessous des lits, il n'y a plus de place à la cave ni au garage. Voilà. Hein, c'est pareil, mon garage est plein. Donc voilà. Pas encore, je me refuse de le coloniser, mais ce n'est qu'une question de temps. Mais bon, va y avoir de la revente, hein, donc ça va me faire du bien. Tout à fait. Et quelque chose, je voulais parler aussi. Sur YouTube, il y a quelques temps, on a passé la barre des 2000 abonnés sur YouTube, vous vraiment, hein, voilà, toutes ces années avec Anesso Podcast, ça a monté, ça fait plaisir, merci, hein. Du petit truc qui a été lancé par JB et Mehdi, c'est devenu, on leur fait des bisous d'ailleurs, voilà, merci à eux et merci à vous, et du coup pour l'occasion il y aura un concours sur les réseaux sociaux, donc ce sera fait dans les prochains jours, où il y aura des bouquins à gagner, hein, voilà, pour l'occasion, ce sera sur les divers réseaux, hein. Il y en aura sur Insta, il y aura sur Facebook, il y en aura aussi sur notre Discord également, et on verra si on fait quelque chose sur Blue Sky Mastodon, on verra. Du moment, voilà, on va faire sur ceux où il y a un peu plus de monde. Ouais. En tout cas, il y aura des trucs à gagner. Voilà, comme ça, on est comme ça, nous. Oui, je confirme, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais c'est la meilleure parce que sur le parquet, il n'y a pas de risque de chute d'1m80. Oui, par contre, il y a le risque de cognage de petits orteils. Ah. Il faut quand même faire attention, il y a quand même des endroits stratégiques. C'est pas que c'est au pied du lit. Ouais, oui, voilà. Ça oui. Donc là, je suis un peu tranquille quand même, ça va. Voilà. Donc voilà, donc prochainement, pour le concours, en tout cas, dans les prochains jours, vous aurez beaucoup plus d'informations, ce sera le plus clair possible, vous inquiétez pas. C'est un concours à base d'artichauts et de poutrelles, vous ne pourrez pas vous tromper, c'est simple. Ouh là là, tu fais peur. Mais il y aura des trucs, il y aura des trucs vraiment sympas. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir. Ok, ça va, je me sens moins seul. Merci, Chabal, on t'aime. Voilà. Ça me rappelle mon ancien appart. C'était le même principe. C'est... La table basse, quelle table basse ? C'est les bouquins, la table basse. C'était même plus une table basse, elle était plus basse d'ailleurs. Ah non, alors pour ça, j'avais réglé le problème. En fait, tu mets tes piles de bouquins et tu mets une feuille de contreplaque sur le dessus. Ça fait la table. Ah, ouais. Mais oui, vraiment, ça sent. Hein. Bon. Et bien voilà. Plus de 2 heures. On est pas mal quand même hein, sur cette petite surprise. On est bien. On se sent bien là. On est bien, mais malheureusement,
Il va falloir qu'on passe par là, hein, voilà. Comme on dit, il naît de bonne compagnie qui ne se quitte. Ouais, oh, tout à fait. Voilà, c'est beau. Oh, franchement, c'est beau. Moi, j'ai juste te dire, ouais, salut les amanches. Tout ah, voilà, y a deux écoles différentes. À vous de choisir ce que vous préférez. Bon, en tout cas, merci à vous, bah, Emmanuel et Fred, Alain, pour ce soir. Ça fait bien plaisir de reprendre ces hebdos en très bonne compagnie. Ben, salut, c'est chouette. Voilà. Merci à vous sur le chat d'avoir été là. Merci d'avoir échangé, d'avoir balancé des vannes dans tous les sens. Vraiment, merci d'être aussi actif, même si c'est pour dire beaucoup de choses bizarres à propos du bois de Boulogne. Je note qu'il y a une sorte de gimmick hein, quand même qui... C'est terrible, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Voilà, d'habitude, on a soit la Belgique, soit le bois de Boulogne. Voilà, je ne sais pas si on attire ça ici, mais en tout cas, voilà. Mais c'est quoi, c'est un supplément amateur pour Werewolf? C'est Werewolf bois de Boulogne ou... C'est quand tu parlais de All Gods of Appalachia, c'est parti sur le bois de Boulogne, ne me demande pas. Il y a des fois des... Voilà. Bref. Tu reliras. Tu reliras, tu verras. Tu... Ouais, voilà. C'est prévu. Bon, voilà. Comme d'habitude, cette vidéo sera en replay demain YouTube avec tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, demain soir. N'hésitez pas, le petit pouce, le commentaire, le partage. Ah bah oui. Et puis voilà. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour plein de choses. Hein, voilà. À dimanche. Sur ce, portez-vous bien. Et salut tout le monde. Ciao.